Voilà, c'est parti. Bienvenue sur cette nouvelle émission qui est la Gaï Academy. Je vais vous expliquer un peu le principe. Bon, on a un petit souci, mais ça devrait aller quand même dans tous les cas. Alors, je vous explique un peu le contexte, mais notre invité de ce soir a un petit souci pour accéder à son ordinateur, enfin en tout cas l'ordinateur sur lequel il a accès pour avoir une webcam. Donc j'ai pas pu faire les tests, on les fera en direct, tant pis, c'est les aléas du direct, c'est comme ça. Joli le fond, merci, mais oui, c'est la charte graphique de l'émission. Et puis voilà, je vais voir avec lui si on peut quand même lancer le vocal pour commencer à discuter. Parce que j'aimerais présenter le concept de l'émission avec lui en même temps aussi. Excusez-moi. Hop. On a 2 heures, donc ça devrait aller. On va trouver le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Ce soir, ça va être donc une émission assez chill. Bon, de toute façon, vous connaissez ma façon d'être, donc voilà, ça va pas trop changer d'habitude dans le rythme. Mais bon, je vais vous parler un petit peu en attendant d'avoir des réponses. Je vais vous parler un petit peu du concept. Donc, le principe de l'émission, c'est que ce soir, Gluttony, donc qui est l'invité, va me coacher sur Super Smash. Et à côté, moi, je vais lui poser des questions pour apprendre à le connaître. Au début, ce sera des questions un peu axées sur la compétition, comment il gère le stress, comment se passe sa vie de pro gamer. Et puis, plus on avancera, plus dans l'émission, plus je vais poser des questions un peu plus personnelles. Évidemment, sans rentrer dans le trop intime, hein, on est d'accord. Mais voilà, des questions sur la personne derrière le joueur pro, pour en apprendre et un peu plus et en découvrir sur ces joueurs. Hop. Bon, bah on va attendre qu'il arrive. Hein. Ça va sinon vous? Est-ce que le concept vous plaît? Est-ce que vous êtes content d'avoir un contenu comme ça? En fait, c'est pour amener du contenu un peu différent pendant la pause de la Div 2. Donc voilà, on a eu cette petite idée d'émission pour connaître un peu plus les joueurs pro et je trouvais ça sympa. Merci. Hop. Ok, donc visiblement il sera sur téléphone. Tac. Ça devrait ne plus tarder. En attendant, j'adore le nom. Merci Nico. En attendant, on va lancer le jeu, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Tac. Ça arrive, hein. Évidemment. Désolée, problème technique. Ah, c'est bon. En attendant, je pense qu'on va pouvoir rejoindre sa game. Il m'a dit qu'elle avait été créée. Alors, Super Smash. Ouais, je suis très très nulle à Super Smash Bros. Enfin voilà, je suis comme tout le monde, j'appuie sur tous les boutons et puis je vois comment ça se passe. Mais ouais, non, c'est pas le jeu que je gère le mieux. Mais justement, c'est ça qui va être intéressant, c'est que je vais connaître vraiment. Enfin, je vais poser vraiment des questions casu et en apprendre plein en fait. Est-ce que ça va le son? Surtout, faites-moi des retours. C'est la première fois que je fais ces scènes là. Donc, ce serait cool de... Pourquoi vous avez pas le jeu? Ah, si, c'est bon. Alors, en ligne. En ligne. Bla 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 bla. Ah, c'est fort le son du jeu. Ok, je vais le baisser. Déjà, je vais
arrêter ma musique. Est-ce que là c'est mieux? Ah oui, non, c'est carrément fort en fait. Là, c'est pas mal. Ouais, l'écran c'était dès que... Ah, mais il y avait deux scènes, c'est pour ça. C'est pour ça que vous voyez pas tout l'écran. Je l'ai refait en panique, je croyais qu'il avait disparu. Alors, il est dans le ninja. Bizarre, excusez-moi les gars, c'est vraiment la première fois qu'on fait ça, c'est un peu la découverte. C'est ça mon bonhomme là, en ligne? Non, moi je suis un drac au feu. Y'a qui? Attendez, attendez. Je suis obligée d'avoir mon bonhomme bien comme il faut. Drac au feu, c'est bien, non? Au pire des cas, je pense qu'on fera un appel vocal sur Discord si jamais rien ne va. Mais ça, c'est toujours les aléas du direct. Hein. À chaque fois, il y a des soucis comme ça. Oh, c'est bien ça! Je vais prendre ce bonhomme-là. Voilà. Parfait. C'est bon. Je suis prête. Il n'y a pas Noctali? Ah ouais, peut-être. Alors, comment je fais? Tournoi en ligne. Attends. Smash, affronter les joueurs du monde entier. Arène. Et là, je dois rentrer un mot de passe. C'est ça. Ouais, ça me va bien, Ravolos. Rejoindre une arène. Paf. Pourquoi j'arrive pas? Ah non, mais c'est vrai que c'est. Mais si déjà j'appuie sur B au lieu de A, j'ai trop l'habitude de la manette de PS4. Alors, arène d'amis. Ah d'accord, ok. Entrée en idée, c'est ça. Ah, ça n'a aucun sens. Bon, ben, on va aller sur Discord. Je pense qu'on va faire ça. Désolé, changement de dernière minute, mais on va aller sur Discord. Ouais, je pense qu'on va faire juste du vocal. Désolé. Là, ça a l'air bien compliqué. Alors. Sinon, on va jamais s'en sortir. Je vais mettre une photo. Sur sa webcam. Alors. Tac, on va mettre quoi comme photo?
Celle-là, elle est très bien. Voilà comment on va faire. On trouve des solutions à tous les problèmes. Hop. Parfait. N'est-ce pas magnifique? Allô? Allô, allô? Alors, je t'entends. Allô, ouais. Ah, c'est bon, je t'entends. Incroyable. Les choses qui marchent. Ouais, c'est clair. Comment tu vas? Ça va, un peu galère. Bah, c'est pas grave, Le moteur. du coup, j'ai mis ta photo. Déjà ça. Ouais, bah, ça ira très bien, y a pas de souci. Bon, en tout cas, Tu merci m'entends d'être bien? là. Hein? Merci à toi de m'inviter. On m'entend bien là? Ouais, je t'entends bien. Ok, parce que vu que je suis en wifi, je suis pas sûr que ce soit très stable. On verra bien. Bah, pour l'instant, ça va, je t'entends très bien, donc on va Ok. prier pour que ça continue, hein. Okay. Au pire, je peux mettre ma cam sur Discord si tu veux, mais. Bah, ça ira comme ça. J'ai peur de toucher trop là. Surtout que t'es sur téléphone, Ok. non? Ouais, sur téléphone. Ouais, voilà, si tu mets la cam et tout, il peut y avoir plus de coupures, donc on va laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Pas Ok. de souci. Bon, du coup, on va Ouais. peut-être te présenter. Donc, ton pseudo, c'est Glutoni. C'est ça. Et donc, bah, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va faire un petit résumé rapide pour te présenter. Donc, de façon rapide, tu es un joueur pro sur Super Smash Bros. C'est C'est ça, ça? sur Ultimate, la version sur Switch, du Ok, coup. il faut bien préciser Ultimate. Ok, t'as jamais été pro sur ceux d'avant, du coup. Sur Smash 4, j'étais semi-pro, on va dire, mais pas sur Ok. ceux d'avant, non. Ok. Donc, du coup, t'as fait ton premier tournoi en 2009 à la Bushido Impact à l'âge de 13 ans. C'est super jeune. Ouais, en vrai, c'était juste avant, genre un mois avant, dans une petite convention, mais en vrai, si tu dis Bushido, c'est bien aussi. Ok. Mais ouais, c'était ça, mon premier tournoi. Et c'était grâce à Léon, qui est aussi joueur chez Solary maintenant, que j'ai pu faire ce tournoi-là, vu que c'est lui qui m'a présenté à la communauté, justement, après ce premier tournoi qui n'était pas vraiment un vrai tournoi. D'accord. Il m'a dit, ouais, il y a des tournois, il y a des vrais tournois qui se font à peu près tous les mois, il faudrait que tu viennes et que tu viennes avec nous et que tu rentres dans la scène, quoi. Ok. C'est fou, hein, t'as commencé très très jeune, ouais. C'est assez impressionnant. Ouais, Bon. bah, au final, c'est pas si jeune que ça comparé aux autres. Par exemple, Léo et Spargo, c'était genre à 6 ans, 7 ans, ils faisaient déjà leur premier tournoi. Ah oui, d'accord. Ah Ouais. ouais. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Mais on y reviendra un peu plus tard avec plein de sortes de questions au cours de cette interview. Ça dure 2 heures, du coup, de 18h à 20h, ou bon, un peu moins. Ouais. Et puis, le principe de l'émission, je vais t'expliquer du coup, bon, j'en ai déjà touché 2 mots au chat, mais c'est que on va lancer du coup des games ensemble. Je vais te poser des questions pour avoir des petits tips de pro, comment bien jouer à Super Smash et tout ça. Et petit à petit, bah, je vais te poser des questions. Tu as tout à fait le droit de pas vouloir répondre si jamais les questions te gênent ou quoi. Ce sera Okay. des questions un peu sur la compétition, et plus on va avancer dans l'émission, plus je vais te poser des questions sur les à côté dans ta vie perso. Évidemment pas trop personnel, hein, mais voilà. C'est ok? Ouais, ça va. Allez, alors, j'essaye de rejoindre ta game. Du coup, c'est je dois entrer l'idée de l'arène, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, tu vas dans Arène, je sais pas si t'en es où là. Là, je suis dans entrer l'idée d'une arène. Ouais, c'est ça. Donc tu es entre MJSRH. Ah oui, alors. MJ. Ok. Et ils te demanderont un mot de passe normalement et c'est 55.
Ok. Donc là, on fait du 1v1, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, Exactement. let's go. Il y a des persos qui sont plus forts que d'autres. Je sais que toi, c'est Wario qui te plaît bien, c'est ça? Ouais, moi mon personnage c'est Wario. Après, ouais, il y a forcément une tier list. Après, elle change en fonction du niveau. C'est-à-dire que si t'es un débutant qui vient de commencer au jeu, la tier list va pas du tout être la même que la tier list à haut niveau. Puisque au tout début, si tu sais pas jouer, t'appuies sur des boutons plus ou moins au hasard. Forcément, les personnages les plus puissants et ceux qui arrivent à revenir sur le terrain le plus facilement, ça va être les personnages les plus forts. Parce que au tout début, l'un des aspects les plus durs du jeu, c'est bizarre, mais c'est juste de revenir sur le terrain en fait, quand tu connais vraiment pas. Il y a des D'accord. personnages qui ont beaucoup plus de mal que ça. Donc, par exemple, Wolf est chic. On va dire surtout Wolf. C'est un personnage qui est vraiment très très fort au niveau. Bah, à bas niveau, il va pas être spécialement fort. Parce qu'il revient pas sur le terrain très facilement. Il est pas spécialement très puissant. En tout cas, pas quand tu le sais pas le maîtriser, etc. Et à l'inverse, Donkey Kong, c'est un personnage qui va vraiment être très très nul à haut niveau. Mais à bas niveau, il va être très fort parce qu'il est très puissant et qui. Très facilement. D'accord. Voilà. Ok. Tout simplement. Bah, je vais te parler de mes mains et tu me diras s'ils sont. Ah mais attends, on De choisit pas? quoi? On choisit pas nos persos? Si, alors c'est en bas à droite, tu vois, il y a une petite icône, on l'a fait B. Et en bas à droite, il y a une petite icône avec ton personnage. Et juste à gauche, il y a une icône avec un terrain normal. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Excuse-moi. Ça, Vraiment la c'est les débutante, quoi. persos. T'as pas Alors. joué là. Moi j'adore Samus et du coup je suppose qu'elle doit Ok. être... elle doit pas être très forte au niveau. Si. Ah Elle est plutôt forte. Elle est pas top tier non plus, ok. mais elle est plutôt forte. Et j'adore mais y a pas Mewtwo? Bah, sur ta Switch peut-être pas, mais sur la mienne oui. Ah merde, je l'ai pas débloqué. Excellent. Ah, t'as pas les DLC? Ah, Ah c'est peut-être même pas pas. DLC en plus, Non c'est non. un perso normal. Ouais, non, c'est censé être là, hein, non, mais. T'es sûr que tu l'as pas? Bah, je l'ai pas vu, ouais. Moi, c'est pas grave, hein. Il est tout à gauche normalement. Quand t'as tous les persos, en tout cas, il est à gauche. À gauche, hop. À côté, il est juste après Je. Ganondorf. Si tu vois Ganondorf, c'est celui d'après. Et s'il l'est pas, c'est que tu l'as pas. Bah, je crois que j'ai même pas Ganondorf, hein. C'est Non, honteux. c'est pas possible. Il y a Si? combien de persos? Ah, Il y a j'en ai. 80 personnages normalement. Attends, il y en a 80? Normalement, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 55. 56, 57, 58. J'en ai 60. Et ouais, hein. Allô? Attends, t'as dit t'en as 55? J'en ai 60. Ah oui, Et aïe. ouais. Ah oui, je sais pas une chose. 50, comment tu peux aimer Mewtwo si tu l'as pas? Là, je comprends pas. Bah parce que sur cette version-là, j'y ai pas beaucoup joué, ou alors si j'ai pas beaucoup joué sur ma Switch à moi, tu vois, je jouais chez des potes Ah généralement. Moi c'est plus. ouais. Il voit pas mon... bah en fait on joue dans la même partie, mais non, il voit pas mon écran. Non, je vois pas ton écran. Mais du coup il va voir la même arène que moi vu qu'on joue ensemble. Voilà. Bon, y a autre chose aussi qui est particulier dans ce jeu-là, c'est que, je sais pas si tu sais, mais le Wi-Fi est vraiment mauvais. C'est-à-dire qu'il y a un gros délai, donc c'est quasiment pas le même jeu. Bon, en vrai, par définition, ce n'est littéralement pas le même jeu, puisque ce qui va être punissable en offline ne le sera pas en online et inversement, etc. D'accord. Et donc, forcément, c'est pas le même jeu. C'est comme si tu changeais la frame data du jeu juste parce que tu joues online. Ok. Donc la tier list va changer aussi. Il y a des Aïe. personnages qui vont être Oh très putain. forts en online et offline et inversement. Alors, déjà, Ouais. pour commencer le jeu, c'est quoi les y a des combos forts, il y a des c'est quoi le la méta en Alors, comme fait? tout. Je t'ai dit, alors pour commencer vraiment le jeu, le début du début, la première chose à faire, c'est vraiment de savoir revenir sur le terrain. Ok. Voilà, là je t'envoie en haut, est-ce que tu vas réussir à revenir sur le terrain? Ah non. Voilà, Ah. non. Alors qu'en vrai, tu pouvais. Si tu connaissais un petit peu les petites techniques, par exemple avec Samus, pour se déplacer plus rapidement, ou plus loin plutôt dans les airs, ce que tu peux faire, c'est les petites boules, c'est Ça. le down B. Voilà, ça exactement. Donc si Ok. tu t'étais déplacé avec ça, tu sais, ça te fait sauter un petit peu en plus.
Si tu t'étais déplacé avec ça, t'aurais décalé à B et revenir sur le terrain, par exemple. D'accord. Et il y a pas mal de personnages qui ont des petites techniques comme ça pour ajouter un petit peu de la distance pour revenir sur le terrain. D'accord. Mais la base, c'est vraiment le premier élément, c'est ça. Donc là, je fais tac, tac, tac. Voilà. Comme ça. Et donc là, parfois, t'as même pas besoin parce que t'as ton saut, par exemple. Hop, là, si tu viens, voilà. Ah non. Saute. Ah non. Je peux pas. Je fais B flèche JO. Ouais. Mais ouais, je comprends. Et Et est-ce que. Est-ce que ça marche comme Super Smash Bros. Melee où si tu te mets au bord, l'autre peut pas remonter, peut pas s'accrocher? Non, justement, donc là, ils ont changé cette mécanique là. Okay. Vas-y, accroche-toi si tu veux. Pardon. Ouais. Ok, vas-y. T'accroches. Ah oui. Hop. Voilà. Mince. Bouge pas, juste. Oh ah. Je crois qu'il y a un peu de délai, ouais. Il y a beaucoup de délai, du coup, bah forcément, si t'as pas l'habitude déjà en offline, bah online, tu vas voir que c'est un peu bizarre. D'accord. C'est vraiment une demi-seconde après que t'aies demandé l'input, quoi. Ah ouais, toi, t'as pris l'habitude de jouer avec du délai, du coup ? Pas vraiment. Disons que j'ai évité le plus possible de jouer online. Les seules fois où je jouais online, c'était pour m'entraîner, on va dire. Mmh. Et dans ce cas-là, tu te dis, ok, bah, je sais que c'est pas pareil, et je sais que je vais tout le temps perdre les games parce que bah, moi je joue pas online. Mais au moins, j'apprends certaines interactions, j'apprends certains match-ups, etc. Enfin, c'est une façon d'apprendre un peu différente quand tu joues online. Mais parce je suis complètement nul online. Mais parce que en tant que joueur pro, tu dois forcément faire des scrims ou t'entraîner avec des personnes, comment tu fais ? C'est plutôt offline quand je veux m'entraîner, du coup, ça va être par exemple quand je vais des tournois aux US. Dès qu'il y a des gens forts, bah, je vais demander de jouer avec eux, etc. On va s'entraîner, tout ça. Mais forcément, à la maison aussi, tu as envie de t'entraîner. Donc, deux possibilités. Soit tu vas à des sessions, c'est-à-dire des gens qui organisent des entraînements à la maison. Du coup, c'est du offline. Mais du coup, c'est assez limité puisque c'est juste sur Paris. D'accord. Et sinon, bah, tu es obligé de faire du online. D'accord. Ah, c'est chaud quand même pour ce genre de jeu de trouver de l'entraînement. C'est ça qui est dommage. Exactement, c'est un des plus gros problèmes du jeu, c'est que bah t'as vu, il y a 80 personnages. Oui. Et malgré le fait qu'il y ait 80 personnages, bah t'es censé comprendre, enfin apprendre 80 match-ups. Sauf que bah si t'as un wifi et un line qui est tellement nul que tu peux pas vraiment apprendre, bah comment tu fais pour apprendre 80 match-ups? Genre y a pas à côté de chez toi, y a pas les 80 persos, y a pas 80 joueurs de chaque perso. Ok. Donc c'est vraiment compliqué et c'est un des plus gros défauts du jeu, c'est la qualité de son online. Et donc ça veut dire qu'il faut trouver des communautés avec chaque main de chaque perso pour que tu puisses des fois t'entraîner avec, mais plutôt IRL. Ah c'est très très compliqué. Le mieux c'est IRL, après bah, parfois tu peux pas donc tu travailles online. Mais bon c'est pas le plus optimal. Après en vrai de vrai... C'est horrible ton personnage là. T'as dit quoi? C'est horrible ton personnage. Ouais, donc du coup, bah, comme je t'ai dit, il est nul en vrai. Ouais. Mais il a quand même des aspects très très forts et en online il est fort aussi. D'accord. Attends, je vais changer de personnage. Vas-y. Ok. Il y a un perso que tu me conseillerais pour... genre, admettons, t'es en soirée avec tes potes, tu veux briller en société, tu veux surprendre. Bah, franchement, Donkey Kong, hein. Ah ouais, tu vas voir, tu vas mettre des grosses patates. Ah ouais, vraiment, tu vas mettre des grosses patates pour revenir sur le terrain, c'est pas trop dur. T'as des combos plutôt faciles, on va dire. Et ouais, allez, ouais, hein. Vraiment, ouais, donc... okay. Tu veux que je t'apprenne un jeu Donkey Kong? Vas-y. Vas-y. Donkey Kong blanc. Déjà, tu commences bien. C'est le bon skin. Ouais, on est d'accord. On choisir soit le blanc, soit le noir, soit le violet. Les autres, le vert, tout ça là, c'était l'aime, non merci. Ah non. Ah ouais, il est vraiment horrible le vert en plus. Il est trop moche, hein. C'est vraiment le même que de la pub, c'était l'aime, ça se trigger. Voilà, donc déjà, tu vois, t'as ce neutral B là, donc c'est un truc qui se charge, ça prend un peu de temps à charger, donc faut pas le faire quand l'adversaire est au corps à corps. Ouais. Faut le charger plutôt loin, mais quand tu l'as, c'est vraiment, vraiment fort. Puisque, bah vas-y, mets-le moi. Ça met 35%. Ah ouais, c'est énorme. Là, on le voit pas parce que t'as pas de coups, mais ça tue vraiment très vite. Donc, par exemple, si je te mets. Attends. Mange là ! Ouais, faut pas le charger en l'air, par contre. Si tu le charges en l'air, en fait, tu peux l'annuler avec un saut, par exemple. Hop. Hop, et après, tu sautes. Ah oui, ok. Hop.
Oh, c'est... Si t'as pas de saut, tu peux la doubler avec une air dot. Bon, essaye juste de pas trop le faire en l'air. Ok. Donc, fais-le en l'air sur le terrain, mais fais-le pas hors du terrain. Et du coup, ouais, il est très très puissant et en plus, il va, tu peux le faire en combo. C'est un peu bizarre, mais tu peux vraiment le faire en combo. Voilà, ça, le down B c'est super fort puisque ça couvre pas mal de zones au sol. Bim. Voilà. Donc là, par exemple, si je te mets un side B, c'est quelque chose qui fait aller au sol. Et après tu. Ah ouais. Ah oui, là, ça te sort direct. D'accord. C'est ça. C'est tellement puissant que ça te détruit. Après, en fait, vas-y, fais-moi un side B. Alors, je fais comment? Je fais ça? Voilà, c'est ça. Bah en fait je peux m'en sortir quand j'ai pas beaucoup de pourcents, on va dire. Si je mâche sur ma manette, je peux m'en sortir. Ok. Mais je sais pas si tes adversaires sauront ça. Comment t'as fait pour faire un gros coup? Ah d'accord. Tu fais side B, neutral B. Bim. C'est très 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 efficace. Donc faut pas le faire à bas pourcents parce que je peux sortir trop facilement, mais dès que ton adversaire a genre 70% et que t'as ton neutral B chargé, commencer à le faire. D'accord. Il faut bien qu'il soit chargé. Donc voilà, ça c'est vraiment la technique un peu triche que tu pourras faire contre tes potes. Tu spams un peu ça et la seule fois où ça va les toucher, ça va le mettre sous terre. Et tu fais juste une fois et après tu peux couper. Faut qu'il soit chargé. En fait, pour savoir s'il est chargé, t'as juste à voir la tête de Donkey Kong. Ouais, il a super énervé. Et il a de la fumée en plus. Regarde la comparaison. Voilà. Déjà là, t'as un combo complètement craqué. D'accord. N'oublie pas, faut le faire que quand il a genre 70%, quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Et sinon, bah, tu peux faire des dash attacks comme ça. La dash attack de Donkey Kong, elle est super forte. Comment tu fais ça? Elle a pas énormément de lag. Tu cours et tu fais A. Ah, c'est là. Là, j'y arrive pas. Attends, vas-y. Ah, ça y est. Voilà. Juste tu cours et tu fais PA, voilà, exactement. Oh, ça a l'air bien chiant pour les ennemis, ça. Ouais, c'est super chiant, puisque bah, ça a quand même pas mal de portée, c'est actif longtemps. Ah ouais. Bon, en fait, t'as des combos avec, mais tu peux pas... Enfin, faut des petites techniques comme ça, là, hop, pour le faire, donc c'est pas facile encore pour toi. Mais tu peux déjà le faire ça va les embêter. Mm-hmm. Et voilà, dès que t'as ton truc chargé, après tu peux leur mettre un petit side B. Ce qui est bien avec le side B en plus, c'est que t'as une super armor, donc si jamais tu te fais taper dedans, il y a moyen que ça te protège. Ok. Voilà. Juste pour enterrer la personne, faut qu'il soit au sol. S'il est dans les airs et que tu fais side B le coup de tête, bah ça va pas l'enterrer, ça va rien lui faire. Faut vraiment qu'il soit au sol, le gars. D'accord. Ah, c'est intéressant. Donc pour toi, Donkey Kong, c'est vraiment le perso pour noob qui arrive bien, quoi. Ouais, en vrai, il y en a pas mal, mais lui, il fait partie des meilleurs. Oh, ok. Donc toi, c'est vraiment ton main Wario, c'est ça? Mais... Ouais. Mais du coup, t'en as d'autres quand même, des persos que t'apprécies beaucoup, ou en tout cas que tu trouves fun à jouer? Ouais, j'en ai plein. Peut-être trop même. On avoir une dizaine. Par exemple, Donkey Kong, c'est un des persos avec qui j'aime beaucoup le jouer. Même okay. S'il est pas très fort, j'aime vraiment beaucoup le jouer. Mais quand tu fais ça, je peux pas remonter, c'est impossible, non? Si, en fait, tu peux, mais il faut d'abord sauter et après faire ton B. D'accord. Tu fais saut, et après saut O et B. Et tu vois que le B de Donkey Kong, regarde, si je suis très loin, hop, il va te faire aller. Par contre, il va pas très haut dans les airs. D'accord. Donc il est très bien horizontalement, mais verticalement il est pas terrible. Regarde, je suis super loin là, et pourtant je reviens. Ah ouais. C'est vrai que tu reviens de loin là. Ouais. Et voilà, t'as compris la technique. Ouais. Sinon tu vas pouvoir briller en société. Parfait. Par contre j'ai vraiment du mal à faire le coup, la roulade là. C'est peut-être à cause du délai, je sais pas. Alors, qu'est-ce que je peux te conseiller? Ah non, c'est A, ah, c'est pour ça. Avec quelle manette? Je joue avec une manette, tu sais, la manette de base de la Switch, où tu mets tes manettes dedans. Ah si ouais, c'est les Joy-Con là? Ouais, c'est ça, je crois. Ok, alors ça veut dire que tu peux faire avec le Joy-Con. Tu vois, il y a le stick directionnel à gauche et t'as le Joy-Con de droite. Ouais. Donc quand tu utilises le Joy-Con de droite, toi, ça va te faire des smash, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, voilà. Donc juste un petit truc, dis-toi que pour les pros en général ils changent ça et au lieu de mettre des smash ils mettent des tilts, regarde. Moi quand je fais ce que t'as fait là, ça fait ça. Ça fait les coups pas très puissants et plutôt rapides. Parce qu'en fait les smash,
c'est des coups que tu vas pas utiliser très souvent en fait. Ah, c'est vrai? Puisque c'est des coups très lents. Ouais, bah regarde comment il est lent. Regarde, imagine que tu le rates. Bah hop, je t'en mets un gros derrière moi derrière. Donc il faut mieux faire des tilts. Ok. Les tilts, c'est les coups comme ça qui sont parfois quand même assez puissants, mais qui ont moins de lag et donc qui sont moins risqués. C'est donc nous, sur le stick C, on fait les tilts comme ça. C'est et les smash, du coup, on les fait avec la manette normale, c'est-à-dire on fait stick gauche plus A. Mais c'est quelle touche ça pour faire les petits coups? Je connais même pas. Toi, tu dois les faire avec le stick. Non, tu dois le faire avec le stick plus A, mais pas en même temps. Genre, tu mets ton stick ah et ouais. après tu fais A. Non, là c'est jab. Voilà, là tu viens de le faire. Hop. Là t'as fait un smash. Ah, c'est chiant. Donc tu dois stick un petit peu, mais pas beaucoup, puis faire A. Ok. Oups. Là t'as fait stick plus A en même temps. Faut que ce soit stick et A, mais pas en même temps. Hop. Stick. Par exemple, si tu marches, essaye de marcher. Voilà. Si tu marches et que tu fais A, voilà, là ça va faire un tilt. D'accord. Et pour le tilt pour celui du haut, par exemple, bah tu restes appuyé en haut. Voilà, reste appuyé en haut et fais A. Voilà, okay. Va faire des tilts. Ah oui, donc forcément, c'est mieux de les mettre sur les smash, quoi. Ça. Le truc, c'est que toi aussi, il y a un autre truc, c'est que tu as le stick gauche. Si tu fais haut, ça saute, on est d'accord? Ouais. Voilà. Bah nous, non. La plupart des pros, voire 90% des pros, on a enlevé ça, justement, pour pouvoir mettre des tilts vers le haut sans sauter, regarde. Moi, ça me fait pas sauter, parce que je dirais... Mais alors, tu sautes comment? Alors nous, on saute, en fait, avec les boutons X ou Y, chacun son truc. Il y en a qui sautent même avec les boutons R ou L. On va surtout sauter avec X ou Y. Ok. Voilà. Ah, alors, il y a autre chose. C'est qu'il y a une des mécaniques les plus dures du jeu, et, étonnamment. C'est juste les full hop et les short hop. En gros, full hop, ça veut dire saut, grand saut, comme ça. Et short hop, c'est petit saut, comme ça. Et en fait, justement, avec le en appuyant sur X ou Y, c'est plus facile de faire des short hop, donc des petits sauts. Là. Là, c'est un grand saut, et là, c'est un petit saut. Ah, comment tu fais un petit saut? Tu appuies sur X rapidement ou faiblement. Voilà. Là, c'est un petit saut, ça? Non, ça, c'est un grand. Ah, là, c'est un petit. C'est super dur à faire. C'est ça. Donc c'est une mécanique qui est censée être la base du jeu, mais étonnamment, bah, elle est super dure à faire. Ouais. Ah, c'est trop drôle. C'est fou. Enfin, c'est drôle dans le sens où c'est fou que. Ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais c'est vraiment assez compliqué à faire. Et donc du coup, tu peux absolument tout rebind en fait. Ouais, c'est ça. Tu fais ce que tu veux, tu veux. Ok. C'est vraiment pratique. C'est intéressant. Ouais. C'est fou, au niveau pro, t'as vraiment des techniques différentes que quand, quand tu joues casu, quoi. Tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a. C'est complètement pas excellent. Et après, bon, ça c'est juste l'aspect technique, donc déjà il y a plein d'autres détails dans l'aspect technique. Mm-hmm. Ça peut être vraiment technique ou dans le fond. Mais après, bah, y a l'aspect tactique qui est encore pire et tu te dis, mais c'est pas possible en fait. Comment ça les joueurs pensent vraiment à ça quand ils jouent au jeu, mais c'est pire qu'un jeu d'échecs, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Ah bon, ça. On pourra en parler plus tard. Mais voilà, donc ça c'est pour les petits tips. Dis-toi qu'en vrai de vrai, à haut niveau, faire des short-ups c'est très très important. Parce que regarde, quand je fais un full-up, bah, je vais très haut dans le ciel, mais du coup je prends du temps à revenir sur le terrain. Ouais. À revenir sur le sol, pardon. Alors, donc je suis vulnérable. Alors que quand je fais un petit saut, bah, je suis beaucoup plus safe et je peux juste faire des couvertures comme ça. Ah ouais. Donc, des back-air comme ça. Ça c'est un truc que tu devrais apprendre à faire aussi, c'est faire un mur de back-air comme ça. Comment ça comment tu fais? C'est quelle touche? Alors tu sautes, puis tu as plusieurs façons de le faire. Soit tu utilises A, ça dépend de toi. Vraiment ça dépend des gens. Il y en a qui aiment bien utiliser A dans les airs. Il y en a qui aiment bien utiliser le stick C. Donc en gros, pour faire un back air, il faut que tu tapes de dos. Donc si par exemple là, on regarde vers la gauche. On regarde vers la gauche. Donc si on saute et qu'on fait le stick directionnel, le stick C, le stick de droite vers la droite, ça va faire un back air. Hop. Attends, tourne-toi de mon côté. J'ai l'impression d'être débile. Vas-y. Saute et tu mets le stick à droite, vas-y. Saute et ah, j'ai trouvé. Ok. Et donc si je fais ça... Ok. Et donc si tu sautes, change de sens, exact. Voilà. Donc en gros, on appelle back air, c'est un coup en air, dans les airs, mais de dos. Donc, et tu là, peux du taper coup... à gauche et à droite. Ah ouais, du coup, tu dois mettre tes... Tu dois mettre tes mains n'importe comment si tu veux sauter avec X pour faire un petit saut. Et pardon, désolé. Ouais.
Attends, tu dois te mettre comme ça. Ouais, c'est pas possible. Mince. Saute d'abord, n'oublie pas de sauter. Ouais. Attends. Hop, hop. Attends, c'est X sauté et... X et après, J'arrive voilà. plus. Là, t'as fait un film. Mais oui, c'est fou, Là, t'as fait c'est... un film. C'est impossible. Ouais, bah en fait, c'est juste que je t'ai dit, ça dépend vraiment de comment tu joues, de avec quelle manette tu joues, etc. Tu peux très bien le faire avec A aussi. Et du coup, avec A, il va falloir mettre une direction et taper dans le dos. Donc, il faut mettre la direction dans le dos et en plus, Ah ouais. appuyer sur. C'est Alors qu'avec super le stick technique. C, ou le stick de droite, c'est plus simple. D'accord. Ouais, je comprends mieux. Je comprends mieux le rebind des touches parce que c'est vrai que ça me paraissait bizarre d'enlever le stick saut ou les smash que je trouvais vachement fort. Mais en fait, c'est pas si fort que ça au final dans ce que tu me dis. C'est ça. Mais Donc les smash, dans tous les cas, tu vas pas vraiment beaucoup les utiliser. Il y a que certains persos improbable. qui ont besoin de les mettre en stick C sur Smash parce qu'en fait, eux vont beaucoup les utiliser. Ils ont besoin d'être très rapides avec. Donc, par exemple, Fox, il y a beaucoup de joueurs de Fox qui vont garder les smash sur le stick C tout Ouais. simplement parce que Fox utilise très très souvent son up smash et il a besoin de réagir très vite. Donc il va le D'accord. mettre sur le stick C pour aller plus vite. Est-ce que Mais Yoshi c'est est vraiment des. bien? Yoshi. Alors. Il est bien. En vrai, il est bien pour un peu tous les niveaux parce qu'il est vraiment très complet comme personnage. Donc, il va être plutôt puissant. Il va être plutôt rapide. C'est assez rapide pour lui de revenir sur le terrain. Bon, il est plutôt puissant. Il est assez lourd, donc il va pas mourir très facilement. Et il revient facilement sur le terrain. Donc, ouais, il est plutôt complet. En plus, il a des projectiles qui peuvent embêter. Il Ouais. a des bonnes hitbox. Ouais, il C'est. est bon. Donc, il est bon à tous les niveaux. Ah, le Quand même skin. tu changes de. Ouais. Ah, on peut pas le lancer quand on a le même skin? Ici, mais ça te fait un truc bizarre. En fait, ça fait qu'il y en a un qui a le skin de la vraie couleur et l'autre il est un petit peu plus foncé. C'est super moche. Ah, ok. Quand tu prends un autre perso comme ça, c'est le même principe pour les je sais plus comment t'appelais ça, mais le coup de pied en arrière, toutes ces choses-là. Oui, c'est toujours les mêmes principes. Donc il y a quelques exceptions qui sont par exemple les Shoto, Ryu, Ken, etc. Eux, en fait, vu qu'ils se retournent tout seuls, c'est un peu plus compliqué de mettre des D'accord. back-airs puisque bah. Tu veux te mettre de dos, en fait, le perso se remet devant. Ok. Donc, il y a des petites techniques pour pouvoir quand même faire des back-airs, parce que ça reste quand même possible. Alors, je vais essayer de refaire un Yoshi. saut. Un saut Donc, rapide. voilà, le même principe. Voilà, c'est ça. Pour faire un back-air, Oh bah, c'est putain. pareil. Tu sautes, tu mets un Par contre, il back-air. recule vachement quand il le fait. Ouais, il recule un petit peu. Donc, ça, c'est derrière, c'est une mécanique qui est un peu bizarre dans le jeu. C'est qu'avant, tu pouvais faire un saut back-air et ça te faisait pas reculer. D'accord. Mais dans ce jeu, si tu fais reculer, je sais pas exactement pourquoi. Dans tous les cas, ouais, Yoshi, c'est un bon perso. Hein. Hop, il a des Wow! petits œufs pour embêter. Comment tu fais Ça, ça? c'est son OB. Alors Ouais. voilà, il a une particularité quand même. Parce que tu vois, comme les autres persos, pour les autres persos, comme Samus, pour Ouais. revenir sur le terrain, tu te souviens que tu faisais O et B pour Oui. revenir. Oui, et lui, ça lance Sauf que des œufs. lui, son O et B, ça fait juste d'un petit œuf comme ça et ça fait temporiser. Donc en fait, lui, ça va pas être trop le O et B qui lui permet de survivre, c'est Ouais, plutôt c'est son son deuxième double saut comme saut. ça. C'est ça. Son double saut qui a vraiment eu un. Enfin, c'est un très très grand saut et ça te fait aller très haut. Et le O et B te permet d'avancer un petit peu horizontalement quand même. Hop, t'avances, tu temporises, tac. Après, tu peux faire le saut et après, tu peux aussi faire l'air dodge. Donc ça, c'est un niveau au-dessus, on va dire. Tu Mais peux c'est aussi faire super dur l'air de dodge viser. carrément. Oui. Ça, c'est pas encore pour le début. Ah, Hop, et tu d'accord. peux carrément viser la tête. Hop. Oh, comment t'as fait ça? Tu fais une air dodge, donc ton bouton R ou L, et tu mets une direction dessus, et hop, après tu peux Et aller je vers le vois. terrain. Ah, Voilà. d'accord. Hop C'est là. tous les persos, ils sont ça? C'est ça, tous les persos ont ça, après il y en a qui vont plus loin que d'autres. Donc Yoshi, son air dodge, elle est vraiment bien. Dis-toi que plus le personnage est floaty, plus l'air dodge va aller loin. Donc le fait d'être floaty en fait c'est le fait de redescendre lentement dans les airs. D'accord. Regarde, là quand je vais dans les airs, je redescends très lentement. Regarde, on voit sa petite animation Oui, là tout où à fait, il redescend très lentement. Bah, et par exemple, bah, Fox, c'est un personnage qui est l'inverse, qui est un fast faller. C'est-à-dire qu'il descend très rapidement quand il est dans les airs. Donc même si tu fais rien, il va descendre beaucoup plus rapidement que Yoshi. Bah. ouais. Et le plus pratique, c'est quoi? C'est un avantage de redescendre plus vite? Alors, c'est un avantage et un inconvénient, c'est vraiment, ça dépend de tout.
pense pas qu'il y ait de meilleur ou de moins bien, ça dépend juste du personnage. Il y a des personnages qui sont très forts en étant flotty. Donc, par exemple, Wario, c'est un personnage flotty, Peach, c'est un personnage flotty. Mm-hmm. Ces deux persos sont vraiment très forts. Et au contraire, bah, il y a d'autres persos qui sont fast waller comme Fox et qui sont très forts aussi. Okay. Juste, disons que ça va apporter des avantages et des défauts. Parce que quand tu es flotty, ça veut dire que tu prends du temps à revenir, à atterrir sur le terrain. Ça veut dire que bah, si ton adversaire couvre avec beaucoup d'options, ça peut être difficile pour un personnage flotty de Ah, genre de Donkey Kong qui t'enchaîne. Donkey Kong qui t'enchaîne en l'air, c'est parfait pour lui alors. Exactement, ça peut être parfait pour certains persos. D'accord. Parce qu'ils vont très bien couvrir. Mais ce qui est bien chez Yoshi, c'est que certes il est flotty, mais il va très très vite dans les airs. Donc bah, même si en plus, ça. Je suis flotty, c'est ça, il a vraiment plein d'outils pour ne pas se faire finir en landing. Donc au final, c'est pas facile de le taper pour au sol en fait. Donc quand il veut revenir au sol, c'est pas facile de le taper alors qu'il est flotty. Mm-hmm. Au contraire, il y a d'autres personnages justement, ils sont flotty et donc c'est très facile de les taper et ils ont du mal à revenir sur le sol. Donc ça dépend vraiment. Au contraire, pour les fast fallers, ceux qui descendent très facilement, bah, y en a, ils vont avoir plus de facilité à revenir sur le terrain en fonction des match-up. Et d'autres, justement, parce qu'ils sont fast fallers, ils vont se prendre encore plus de combos et ils vont mourir encore plus facilement. Et c'est le cas plus ou moins de Fox, c'est-à-dire Fox est un personnage léger et fast faller. Du coup, il va se prendre beaucoup les combos et il va mourir très tôt à cause de ça. D'accord. Donc ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Et tu ne peux pas juste dire. Fast Waller c'est bien et Flotty c'est pas bien ou quoi, c'est vraiment ça dépend de trop. Et tu vois par exemple Yoshi, il a des smashs qui sont vachement rapides, est-ce que du coup c'est comme, enfin ça s'utilise ou est-ce que c'est... Alors, dans tous les cas c'est, les smashs s'utilisent un petit peu, ça dépend juste des persos et en fait ça dépend aussi si on va avoir des confirmes avec, ce qu'on appelle confirme, c'est-à-dire que par exemple si je te mets un premier coup, genre si je te fais ça, voilà, en wifi ça va être compliqué. Vas-y, essaye de revenir. Je vais essayer de le faire quand même. Mais par exemple, Yoshi, il a un confirm qui est hop, hop, voilà. Donc là, c'était pas vraiment un trou confirm, mais ça peut arriver que c'est vraiment un confirm. C'est-à-dire que à partir du moment où je t'ai mis le premier back air là, bah, je vais pouvoir mettre le smash de manière complètement trou. C'est-à-dire même si tu appuies sur tous les boutons, tu vas te le prendre dans tous les cas. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir l'utiliser. Tu vas pouvoir l'utiliser ce smash. D'accord. Mais sinon, comme ça. Ça s'utilise un peu moins. Ils restent quand même bien les smash de Yoshi. C'est-à-dire que, bon, là, il n'y a pas de plateforme. Mais le up smash, il va couvrir énormément d'options quand l'adversaire est sur une plateforme. Parce qu'il est. Il n'est pas extrêmement laggy. Donc, comme tu dis, les smash de Yoshi sont quand même bons et tu vas quand même assez les utiliser. Donc, le smash, peut-être pas parce que. Bon, peut-être là, il a l'air d'être assez rapide, mais en vrai, il est plutôt lent. Et il a quand même beaucoup de lag, regarde. Si j'essaye de shield après le smash, hop, il y a quand même beaucoup de temps de latence. Donc le smash est quand même assez risqué. Par contre, le up smash, il est quand même bien utilisé. Parce qu'il est assez rapide, pas trop de lag, puissant. C'est vraiment complet. En vrai, ces smash sont un image de Yoshi, c'est-à-dire un personnage plutôt complet. Pas complètement craqué non plus, mais efficace un peu partout. Quoi. Ok, ok. Donc ouais, Yoshi, c'est un bon perso. Un bon perso à utiliser... Dans toutes circonstances. C'est quoi les persos que tu croises le plus en compétition? Ah, bonne question. Alors, qui est-ce que je croise le plus en compétition? En vrai, ça dépend des périodes. Ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes où il y a des persos qui sont considérés comme très forts. Par exemple, quand MKLeo commençait à jouer Joker, tout le monde commençait à jouer Joker, tout le monde voulait jouer et on en rencontrait vraiment partout, que ce soit en Wi-Fi. Ou en tournoi offline. Ok. Et après ils ont tous disparu. Tout simplement parce que bah ils se sont rendu compte que le perso en fait il est pas si craqué, il est difficile à jouer et qu'au final MKLeo gagne avec, mais c'est juste parce que lui il est trop fort. D'accord. C'est pas juste parce qu'ils prennent Joker qu'ils vont gagner avec. Du coup bah ça changerait. Mais disons qu'en ce moment, les personnages qui sont le plus fort et qui sont le plus fort depuis un certain temps quand même, ça va être Rob et Roy. Donc d'accord. Ces deux personnages-là, t'es sûr d'en rencontrer un au moins dans ta braquette. Puisqu'ils sont très forts, très faciles à jouer, et bah plutôt agréables à jouer en réalité, puisqu'ils sont assez rapides ou quoi. Mm-hmm. Donc ça va être ces deux personnages-là que je vais rencontrer le plus. Y a qui d'autre aussi? Ouais, en vrai, il y en a pas trop, à part eux. C'est assez diversifié en vrai. En vrai de vrai, ça dépend des régions. Donc il y a des régions, comme par hasard, tu vas trouver plein de Steve, par exemple. Et d'autres régions, il y aura aucun Steve, il y aura juste plein de
plein de rois et de robes, par exemple. Donc ça veut dire que c'est... Vraiment, mais... c'est pas selon la méta, t'as 15 Yoshi à croiser, non, ça change beaucoup. Ouais, ça change beaucoup. Donc, c'est vrai que sur Smash 4, cool. par exemple, surtout à la fin du jeu, la méta était réellement de Bayonetta. Tout le temps, partout, il y avait des Bayonetta tout le temps. Okay. Et c'était très chiant, parce que le personnage, bon, dans le temps, t'en as marre de le voir tout le temps. Oui, et oui. Il est beaucoup trop fort comparé aux autres. Et forcément, bah, c'était des Bayonetta qui gagnaient tous les tournois. Donc, par exemple, à l'Evo, je sais plus si c'était 2017 ou 2018, en grande finale, c'était deux Bayonetta. Le truc, c'est que les deux, ils étaient potes. Et du coup, au premier combat, la game commence et ils trollent un petit peu. En fait, ils font que d'envoyer des projectiles sans se toucher pendant okay. genre 1 ou 2 minutes. Et du coup, il se passe littéralement rien. Et donc, bah, il y a les TO qui sont allés les voir et ils ont dit non, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, faut jouer. En fait, parce non. que là, il y a quand même 50 000 personnes qui sont en train de vous regarder. Vous n'allez pas troller devant 50 000 personnes pendant 2 minutes. Genre, tu fais ça 5 secondes, c'est marrant 2 secondes. Après, faut jouer. Et du coup, bah, ils ont pas joué. Ah, c'est drôle ça. Ouais, c'était un peu n'importe quoi à cette époque-là, c'était vraiment un état de cancer, c'est-à-dire que le perso est trop fort, donc t'as même pas besoin de jouer au jeu pour gagner, t'as juste besoin de jouer Bayonetta. Sachant que le Bayonetta, c'est vraiment un perso qui avait des choses complètement différentes des autres, ça avait rien à voir, c'était des combos vraiment propres à elle, des choses fortes propres à elle, et qui étaient vraiment trop fort pour le coup. Et ils avaient juste besoin de ce personnage-là. Et maintenant, ils ont réussi à régler ce problème. Ouais, clairement, le personnage est même mauvais, en fait. Ah ben, ça, c'est dommage. Il est devenu nul. Ah, ils l'ont détruit, ouais. Il est passé de complètement craqué à détruit. Ok. Le principe reste le même. Donc, quand tu regardes les coups, c'est littéralement les mêmes que sur Smash 4, en fait. Mais c'est pas du tout aussi fort. Donc, par exemple, là, si je te faisais ça sur Smash 4, t'étais mort. J'ai un combo complètement fou. Je te fais ça, je t'emmène dans les airs comme on voit là. Mais et après, je pouvais te tuer. C'est trop fort! Enfin, oh oui, moi j'ai l'impression que c'est trop fort. Oh, c'est quoi ça? Là, j'arrête le temps. Incroyable! Désolé, je suis vraiment une débutante de Smash. Hein. j'ai joué pendant des années, surtout à Melee, moi. Ok. C'était mon préféré, Melee. J'avais pas trop aimé Brawl à l'époque. Ça. Ouais, Brawl c'était vraiment très lent. Ouais, c'est ça. Bon, il y avait plein de problèmes avec ce jeu, donc déjà c'était lent, c'était pas forcément très agréable à regarder, puisque bon, on jouait en 3 stocks et parfois les games duraient 8 minutes, parfois un set, et 40 minutes. Et c'était pas. Enfin, ça arrivait souvent que le set prenait 40 minutes. Quoi. Oh. Et c'était vraiment lent, et en plus il y avait vraiment beaucoup de mécaniques qui étaient vraiment stupides, et je pense, enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent que les mécaniques stupides qui ont été ajoutées par Sakurai sur Brawl étaient littéralement là pour dire. Ne jouez pas à ce jeu compétitivement. Je veux que vous jouiez juste en casu. D'accord. Par exemple, le tripping. Je sais pas si tu te souviens du tripping, ce que c'était sur Brawl. C'était en fait, parfois, quand tu courais, tout simplement, et tu tombais. Aléatoirement. Ah bon ? Ton perso tombait littéralement. Ouais, ouais. Il tombait un petit peu comme, tu vois, quand Diddy Kong te balance une banane. Tu tombes. Ouais. Bah, ça faisait ça littéralement au hasard, tout seul, sans qu'il y ait Diddy Kong. C'était vraiment tous les persos qui avaient ça. Et donc t'avais juste à dash, à courir comme ça, et une fois sur 10 ou je sais combien, sur 30 peut-être, tu tombais. Et donc parfois, bah, tu tombais devant ton adversaire et il te mettait un gros smash comme ça, juste avec la chance, littéralement. Improbable. Donc ça c'est vraiment, bah, le gars il était vraiment en train de nous dire, ne jouez pas compétitivement, je veux pas que vous jouiez compétitivement, mon jeu est pas fait pour ça, ne le faites pas. Et on le faisait quand même. Et aujourd'hui, ils recherchent les créateurs du jeu à le rendre un peu plus compétitif, ou est-ce que justement ils veulent que ça reste un jeu détente en famille, entre amis? Ça c'est un peu bizarre, parce que ça se voit qu'ils veulent que ce soit compétitif. Donc par exemple, là, rien que là, l'affichage des scores, ça montre que bah, ils veulent que ce soit un peu plus sérieux. Il y a d'autres éléments qui le montrent, qui par exemple, ils ont pris des joueurs pro japonais du Smash 4, et ils les ont pris pour développer le jeu en fait. D'accord. Pour essayer d'équilibrer le jeu. De faire en genre que ce soit un meilleur jeu que Smash 4, parce que Smash 4 avait vraiment des gros problèmes d'équilibrage. Et rien que ça, ça montre que bah, ils ont vraiment voulu que le jeu soit compétitif quand même un minimum. Mais, il y a plusieurs choses qui sont à l'inverse de ça. C'est par exemple, le jeu a 6 frames de délai de base. D'accord. Donc même offline, si tu fais un input, il va sortir 6 frames après.
Ce qui est assez bizarre pour un jeu de compétition. Dans les jeux de combat, il me semble que c'est 3 ou 4, quelque chose comme ça. Je sais plus pour quelles sont les raisons. Je crois que c'est soit des raisons techniques, c'est obligé qu'il y a un petit peu de délai, ou soit ils font exprès, je sais pas exactement pourquoi. Mais je sais que dans les jeux de combat traditionnels, c'est bon déjà. C'est soit 3, soit 4. Mêlée, il me semble que c'est encore moins. Bon, dans tous les cas, je sais que c'est moins. Et en plus, ils ont mis un online de qualité vraiment mauvaise avec 4 frames de délai minimum. Donc ça veut dire que même avec les deux connexions parfaites et à distance parfaite, donc proche, parce que même si t'as des connexions parfaites, si t'es loin, ça sera pas 4 frames de lag, bah tu seras à 10 frames de délai. 10 frames minimum. C'est-à-dire que quand tu input quelque chose, ça va se montrer 10 frames après dans le jeu. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Ça me paraît énorme aussi, ouais. Ah ouais. Donc ça par exemple c'est vraiment fait exprès, j'arrive pas à croire que Nintendo en 2022 n'arrive pas à faire un online de qualité propre ou inférieur à 4 frames de délai quand même. Non c'est vrai. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Donc ouais, on sait pas trop, genre ils veulent le faire mais pas vraiment. Aussi le fait qu'ils s'investissent pas sur le jeu, alors que bah ils pourraient très bien faire juste des tournois. On sait très bien qu'il y aurait des tonnes et des tonnes de participants, même si c'était des tournois online. Si c'était des tournois online officiels Nintendo, crois-moi qu'il y aurait énormément de gens qui viendraient jouer. Oui, mais c'est pas le cas. Donc bah ils s'en foutent un petit peu d'un côté, mais d'un autre côté pas trop, on sait pas trop ce qu'ils veulent. Leur politique de compétition, j'avoue, moi je la comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils veulent. Je pense pas que ce soit une sorte de prix. Parce qu'on me disait dans le chat, ça coûte peut-être plus cher à faire. Je pense pas que ce soit ça, Nintendo. Je pense que ça va. Non. Clairement, ils ont les moyens. Hein. Ouais. C'est pas un problème. Et sinon, du coup, t'es joueur pro à plein temps ou tu fais autre chose à côté? Ouais. Du coup, bah, maintenant, je suis à plein temps. Donc, okay. De base, je l'étais pas. Donc, sur Smash 4, j'étais pas du tout à plein temps. J'étais en pleine étude. J'étais en... Alors, 4-3, j'étais en master, si je me souviens bien. Ouais, j'étais en master. Mm-hmm. Et au début d'Ultimate, j'ai commencé du coup à travailler. Enfin, non, j'étais en stage, puis j'ai commencé à travailler. Et en fait, j'ai fait un tournoi qui s'appelait le Valhalla. D'accord. Qui était un tournoi majeur d'Ultimate, un des premiers tournois en fait, puisque le jeu venait de sortir. Et c'était un premier tournoi. Et je l'ai gagné ce tournoi-là. Et en plus, j'ai battu Leffen. Donc Leffen qui est très très connu sur la scène Smash, qui est un des meilleurs joueurs sur Melee. Et il s'était mis à Ultimate. Et ce truc, c'est que, bah, ok, nous, on avait les connaissances de Smash 4. Mais lui, à l'époque, bah, c'était un joueur pro qui avait, qui en fait, il pouvait jouer tous les jours pendant 8 heures. Nous, on était tous des gens qui on avait. Ah, vous aviez quelque chose à côté à faire et... Ouais, donc. Quelque chose à côté. Donc par exemple, bah. Au bout d'une semaine de sortie du jeu, moi j'avais pratiquement pas pu jouer au jeu, et lui il avait déjà joué 50 heures. Il avait un énorme avantage. Attends, change de perso. C'est ça, je crois que c'est pas une bonne idée de prendre un perso aussi léger là. C'est un peu pour Ganondorf. Ah ouais, non. Ouais, du coup, il avait cet avantage là, mais moi j'avais l'avantage de connaître Smash 4, et vu que Smash 4 ça ressemble beaucoup à Ultimate quand même. Comparé à Melee, ouais. Bah forcément on avait chacun des avantages, on va dire. Et à ce tournoi là, je l'ai battu les fun du coup, et d'ailleurs c'était un match très très dur, puisque au tout début il me bat 2-0, c'était en best of 5, donc meilleur de 5, donc premier arrivé à 3. Il me bat 2-0, oui. Et je réussis à reverse et à le battre 3-2, et en plus sur une game où je l'ai reverse 3 stocks, c'est-à-dire que la game commence, il me défonce, il a encore 3 stocks, moi j'ai une stock, et j'ai réussi à quand même quand gagner tu parles la game. De... Quand tu parles de stock, c'est des vies? C'est les... C'est les... D'accord. N'hésite pas à me dire hein, s'il y a des mots que tu utilises que tu comprends pas, ouais, que tu veux que je dédie pour le chat, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Et oui, forcément. Et du coup, il te reste... Vas-y, tu disais du coup... Excuse-moi, je t'ai coupé. Il avait 3 vies, il était en train de me détruire, moi j'avais plus qu'une vie, et il avait déjà 2 victoires. Donc ça veut dire que s'il avait encore une victoire, c'était fini et il gagnait le set. Et donc, j'ai réussi quand même à gagner et à le comeback. Énorme clutch, en fait. T'as dit quoi ? Énorme clutch, du coup. Ouais, c'est ça. Bon, on va dire que c'est un petit peu ma spécialité.
J'ai l'habitude de faire pas mal de clutch. en fait, mon playstyle, il est beaucoup basé là-dessus parce que je m'adapte beaucoup à mon joueur, à mon adversaire. Pardon. D'accord. Donc, par exemple, récemment, quand j'ai joué contre Galio, Galio qui est le meilleur joueur du monde, bah, c'était la même chose. Donc, il me battait 2-0 et j'ai dû le reverse 3-0 pour gagner. Du coup, j'ai pu gagner bah, justement parce que je m'adapte bien et que c'est une de mes qualités les plus fortes. D'accord. Et donc, voilà. Donc après ce Valhalla que j'ai gagné au final, il y a Solari qui m'a contacté puisque bah, ça avait c'était le premier tournoi avec vraiment de la grosse visibilité parce que les fans étaient dedans. D'accord. À l'époque de Smash 4, le jeu avait vraiment pas autant de visibilité, clairement. C'était un jeu un peu plus niche, il n'y avait pas énormément de gens qui regardaient. Bah c'est vrai que Ultimate dès le début du jeu. Ouais. C'est vrai que la compétition sur Super Smash, c'était pas connu avant. Hein. Enfin. Non, vraiment pas. C'était connu des gens qui connaissent Smash, quoi. Mais ouais, c'est ça. Le reste, vraiment, ne connaissait pas trop le jeu. Et en fait, dès le début du jeu, déjà, il y a eu une bonne pub à propos du jeu, que ce soit la pub à la télé ou même, je me souviens, quand je passais dans le métro, il y avait un endroit où il y avait un métro vraiment où, très très long, enfin, il y avait un passage très très long. Et il y avait des affiches de genre 30 mètres de Smash Bros. Ah ouais. Et vraiment, bah, rien que ça, ça nous a aidé, puisque bah, les gens ont commencé à connaître un peu plus le jeu. Et aussi le fait qu'il y ait beaucoup d'influenceurs qui adorent le jeu et qui en fassent la pub, quoi, ça a aidé énormément aussi. D'accord. Bah après, c'est un jeu... Smash, c'est quand même un jeu connu, mais plus quand tu t'es en soirée avec des amis, c'est vrai que tu t'y penses pas tout de suite au côté compétitif, quoi. Tu penses direct à soirée, apéro et Super Smash, en fait. Donc... Exactement. Ça, c'était dans l'idée de tout le monde, c'était plutôt ça. Il y en a, ils disaient, non, mais comment ça, il y a des tournois sur Smash Bros, quoi. Ouais. Même pas que c'était possible. On pensait que c'était un party game, un tournoi vraiment pour le fun, et que c'était impossible d'avoir de la compétition sur un jeu comme ça. Ouais, en fait, non, si, ça peut être très bien joué en mode fun, mais c'est un vrai jeu compétitif. Il y a vraiment de la technique, de la tactique, de la stratégie. C'est vraiment un jeu très 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 complet dans tous les aspects. Mm-hmm. Du coup, ouais, ça se fait. Tu t'entraînes combien d'heures par jour? Alors ça, c'est super difficile à répondre parce que ça peut être 0 ou 10. D'accord. Ça dépend vraiment de si j'ai la possibilité, donc on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment compliqué de trouver des adversaires parfois avec qui jouer. Parce que bah ok, si je trouve un adversaire, certes, mais s'il est nul et que ça m'apprend rien et que je perds du temps, ça sert à rien. Donc vaut mieux essayer de jouer quand c'est important de jouer ou quand c'est utile de jouer. Donc parfois bah je peux juste pas et j'ai pas l'occasion. Du coup bah il y a des jours où je vais juste jouer 0 pendant 3 jours d'affilée, je vais juste pas jouer. Et il y a des jours où justement quand je vais avoir les joueurs là qui vont pouvoir m'aider à m'améliorer, bah là je vais pouvoir jouer littéralement 10 heures par jour. Donc par exemple le Summit qui était un invitational récent avec les meilleurs joueurs du monde qui a duré 4 jours à peu près. Tous les jours, je jouais littéralement 10 heures par jour avec un peu tout le monde. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que je me suis blessé, malheureusement. Mais bon, tu t'es blessé? Ouais, je me suis blessé. En fait, disons que j'ai une tendinite chronique depuis genre 4 ans. Ah, ça c'est... à la main? Ouais, c'est ça, à la main. Aux deux mains, en fait. Ah oui, c'est embêtant de fou. Ouais, bah en fait, c'était entre la période Smash 4 et Ultimate qu'elle est apparue. À cause du téléphone. En fait. Donc, pour ceux qui sont dans le chat, je vous conseille d'utiliser le téléphone comme les vieux, juste avec l'index comme ça, parce qu'en fait, l'utiliser avec le pouce, à force, ça détruit les mains, et c'est vraiment pas le jeu qui m'a détruit les mains, puisque en fait, à l'époque, je pouvais même pas jouer, je jouais pas. C'est à force de scroller. Le téléphone qui m'a détruit les mains. C'est quoi? C'est à force de scroller. Alors non, c'est à force de jouer à Clash Royale. Non. Je sais pas si t'as déjà joué au jeu. Si j'ai déjà joué au jeu, mais c'est bah, fou. J'ai joué beaucoup. D'accord. J'ai joué beaucoup et tu vois, quand tu joues à Clash Royale, tes pouces ne bougent littéralement pas. Tu vois, t'es dans les mêmes positions de pouces et tu fais juste, tu balances tes mobs. Oui. Donc c'est le seul mouvement que tu as à faire. Et sinon, le tendon, il est vraiment tout le temps pareil. Et vu que je jouais tout le temps dans les transports, j'avais genre 2h30 de transport par jour, bah j'avais 2h30 de ça. Puis, quand j'allais au travail, j'étais sur l'ordinateur parce que j'étais bio-informaticien. Et donc, bah, j'étais encore sur l'ordinateur, donc mes doigts ne se reposaient pas.
Ah, puis je rentrais à la maison, j'utilisais encore mes doigts, etc., etc. Et du coup, bah, force est arrivée et j'avais de la douleur, mais je m'en foutais. J'étais un peu comme quand je suis au foot et que tu te fais mal, tu t'en fous, tu continues à jouer. Ouais, ouais, tout à fait. Là, c'est pas du tout le cas. Quand c'est des douleurs de ce type-là, faut les écouter, il faut s'arrêter. Et je l'ai pas fait, je savais pas. Du coup, ça, je pouvais littéralement plus utiliser mes mains pendant 6 mois. Plus de téléphone, donc... plus de rien. Donc ça veut dire, pour la compète, c'est un désavantage, non? Parce que la manette, quand même, ça sollicite vachement tes pouces, en plus. Oui. Alors, en vrai, après, j'ai plus ou moins guéri, dans le sens où ça va, j'avais plus trop mal. Mais dès que je commençais à trop jouer ou à trop utiliser mon tel, ça revenait les douleurs. D'accord. Mais je les gérais mieux, parce que je connaissais la douleur et je savais quand est-ce que je devais m'arrêter. Le problème, c'est que ce mythe, j'ai vu la douleur, je me suis dit, ok, faut que j'arrête, mais je pouvais pas. Puisque bah, c'était une occasion rêvée de jouer avec les gens. Et qu'en plus, bah, j'avais mon tournoi à faire. Je ne pouvais pas me dire, ah bah j'ai mal, j'arrête, je fais pas le tournoi. Pas possible. Mmh. Donc j'ai dû continuer et bah, à cause de ça, ça m'a fait... la douleur est revenue, donc là, bah, même quand je fais rien, j'ai très mal, etc. Donc je l'apprenne à faire avec. Donc, c'est un peu compliqué, mais bref. Ouais, je comprends, je comprends. C'est impressionnant, mais je savais pas du tout que ça pouvait te poser autant de problèmes, le téléphone, ouais. J'avais déjà entendu ces histoires de douleurs au pouce quand les jeunes scrollent trop et tout, mais de là à faire une tendinite chronique, que ça te pose problème dans le temps, c'est chouette. Ouais. Ok. Ah, mais moi, ça m'a étonné. Après, je pense que c'est pas tout le monde qui est comme ça, parce que moi, j'étais ouais, j'ai compris. Attends, c'est quoi le mot exact? C'est prédisposé. 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 À avoir ça, peut-être. Hein. C'est possible. Fragile, je sais pas. Mais voilà, faire attention. D'accord. Mais je sais plus pourquoi je disais ça. Parce que je te demandais combien d'heures tu jouais par jour. Oui, voilà, c'est ça. Donc bah pareil, ça aussi, ça va changer en fonction de bah ça. Parce que parfois, enfin, quand j'ai vraiment pas mal, ça me dérange pas du tout de jouer 10 heures et j'aime beaucoup, beaucoup jouer parce que j'apprends beaucoup. Et surtout quand je joue avec des gens forts, bah. Ça fait forcément plaisir de jouer. Donc je peux vraiment jouer 10 heures par jour parfois, et d'autres, je vais pas jouer pendant... Et du coup, plusieurs jours. Smash Bros, c'est vraiment ton jeu de cœur, c'est-à-dire que tu touches plus forcément à d'autres jeux quand t'as le temps d'y jouer, ou t'as d'autres jeux comme ça où t'as quand même le temps de t'y mettre. Ça dépend en fait, parce que par exemple, là en ce moment, j'ai vraiment pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre, puisque je suis toujours en déplacement. Donc là par exemple, je suis ici. Oui, c'est vrai. Donc voilà, j'ai pas le temps de faire autre chose, je peux même pas parce que je suis pas chez moi. Mmh. Donc je voyage énormément comme ça, j'ai pas forcément le temps. Parfois je voyage, puis je rentre chez moi, j'ai le temps de me reposer 2 jours, et le jour d'après, bah, je dois encore aller à un tournoi dans un autre pays ou dans une autre ville. Du coup je vais me déplacer, donc pareil, j'ai pas trop le temps. Donc voilà, forcément il y a des périodes où je vais pas avoir le temps. Après il y avait des périodes plus creuses, par exemple pendant le confinement. Ouais. Bah, là forcément j'avais le temps de jouer, puisque les tournois online... Comme je t'ai expliqué, le online est vraiment mauvais. Ah mais oui, du coup, ça s'est arrêté la compète pendant ce temps-là? Pas pendant le Covid? Bah, il n'y avait plus de compète offline, mais il y en avait online, et bah, je les faisais pour plusieurs raisons. Donc soit c'était pour le contenu YouTube, streaming, etc. Mais du coup, je jouais pas à Wario dans ces tournois-là. D'accord. Puisque le fait de jouer à Wario, ça me détruisait tous mes timings, en fait. Puisque c'est pas le même jeu. Je vais devoir m'adapter à des timings différents. Ah, ok. Et quand je vais juste, en fait, ça va littéralement me desservir de jouer à Wario Online. Donc je faisais avec d'autres personnages, comme Donkey Kong, tout ça. Tu joues que lui en tournoi? Non, j'en jouais plein en vrai. Parfois je jouais Link, parfois je jouais Wolf, parfois je jouais Donkey Kong. En vrai, j'en ai essayé plein. Du moment que c'était pas Wario, ça m'allait. Sauf que parfois, en fait, il y avait des tournois très gros online, donc avec beaucoup d'argent ou très important, des tournois de qualification par exemple pour le Smash Bros. Mm-hmm. Et là, du coup, bah, je devais mettre toutes les chances de mon côté, donc j'étais obligé de jouer Wario. Et c'était littéralement une torture. Hein. Donc, vraiment, les gens me voyaient en stream, je pétais un câble, j'en avais marre de jouer online. Même si je gagnais, ça me rendait fou. Ah ouais. Parce que le online est vraiment dégueulasse. Et je suis le type de joueur en offline, je rage littéralement jamais. Ce n'est pas arrivé une seule fois de ma vie où j'ai ragé offline. Que j'ai perdu, gagné, peu importe ce qui passait, même si je me suis SD 3 fois, même si je miss input tous les coups, même si il arrive n'importe quoi, j'ai jamais ragé offline. Mais online, je m'avais marre. Donc, je sais quand même de rester calme.
parce qu'il fallait gagner au bout du compte, faut gagner. Donc si tu t'énerves, tu casses ta manette, tu peux pas gagner. Mais intérieurement, ça faisait vraiment du mal et c'était vraiment une période très difficile pour en tant que compétiteur de jouer online, quoi. Surtout pour quelqu'un qui est offline. En fait, si de toute ta vie tu n'as joué que online, tu ne peux même pas t'en rendre compte, puisque pour toi le jeu, le réel jeu, il est comme ça. Bah oui, parce que ça, c'est jouable, donc tu te rends pas compte si t'as jamais connu autre chose au final. Oui, tout à fait. C'est pas non plus un jouable en mode 2 secondes de délai et tu peux rien faire. Ça reste un peu jouable, mais c'est jouable en jouant un jeu différent. Ouais, c'est ça, c'est un autre jeu. Mais... tout à fait. Ouais. Là, ça se ressent. C'est ça. Donc, ceux qui ont toujours joué tant, ça leur pose pas de problème. Mais ceux qui jouent offline et qui sont forcés à jouer online alors qu'ils le veulent pas, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Bon, au final, tous les tournois que je devais gagner online et qui avaient beaucoup d'argent ou quoi, je les ai gagnés. Pour rien, tant mieux. Mais j'ai vraiment souffert. Hein. D'accord, d'accord. Et comment tu te... Là effectivement, t'es au Mexique pour un gros tournoi en plus, donc merci d'avoir donné ton temps. C'est super sympa de ta part. Tu te sens comment avant ce tournoi? Comment t'es... Est-ce que t'es prêt? Est-ce que... Ouais, clairement, je me sens prêt, parce que justement, bah, si je suis venu ici, c'est pour en partie pouvoir m'entraîner avec des gens très forts comme MKLeo. Genre moi, quoi. T'as dit quoi? Genre moi, quoi. Là, t'es en train de t'entraîner dur, contre moi. Si je tombe une shake au Genesis, c'est sûr que je le bats, hein, grâce à ton entraînement. Merci. Ah, t'as vu? Ouais. Oui, pardon, excuse-moi. Ah ouais, surtout ton Kirby, il était incroyable. Mon Kirby, oui. Je crois que c'était pas mis un seul coup. Je disais, je suis là pour m'entraîner avec MKLeo, etc. Il y a aussi beaucoup d'autres joueurs mexicains qui sont forts, donc Chag, Meister, etc. Mm-hmm. Et récemment, j'ai fait un tournoi, donc c'était un invitational, où il y avait les deux meilleurs joueurs du monde, MKLeo, Spargo. Et j'ai réussi à battre Spargo, qui est le deuxième meilleur joueur du monde, et j'ai battu... Et j'ai battu Meister, du coup, qui était un joueur mexicain aussi très fort, qui me battait beaucoup derrière moi, et maintenant j'ai réussi à le battre. Là, j'ai fait un autre tournoi il y a 2-3 jours. Pareil, il y avait des très bons joueurs comme Chag, j'ai réussi à gagner sans perdre de game. Du coup, bah, je me sens vraiment à l'aise, je me sens vraiment prêt. Et du coup, bah, j'ai pu bien m'entraîner ici, donc je suis vraiment content. Ça, c'est donc, cool. Ça a du bon. Et oui, parce que là, du coup, il y a tous les joueurs sur place, donc forcément, t'as une occasion pour t'entraîner avec eux, non? Vous faites des rendez-vous un petit peu? Ouais, c'est ça. Donc là, par exemple, à Mexico, donc là, je suis à Mexico City, donc pas tous les joueurs de Mexico sont à Mexico City. Par exemple, Spargo n'est pas là, donc j'ai pas pu jouer avec lui. D'accord. Mais ici, il y a par exemple MKLeo, il y a Meister, il y a Chag, il y a Cloudy, il y a aussi Cosmos qui est venu jouer. Cosmos qui est un joueur américain qui est venu au Mexique pour s'entraîner, pour faire des petites vacances aussi. Du coup, il a pu passer hier, on a pu jouer. Donc vraiment, ça fait du très bon entraînement et c'est dans l'entraînement offline. Donc forcément, ça fait plaisir comparé à du online. C'est ridicule ce que... D'accord. Du coup, ouais, c'est vraiment... Là, ça doit être le meilleur moment pour toi en fait. Tu t'éclates en fait. Vu comment c'est dur de trouver de l'entraînement de haut niveau sans jouer offline, là c'est vraiment ça. Le... Ok. C'est vraiment parfait. Et ça va, t'es... Ouais. T'es... Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ta chic, elle vous détruit. Ah non, mais... faut pas faire gaffe, hein. Je me bats contre moi-même, moi, pour l'instant. On dirait que tu te bats contre des fantômes, genre même si je couche pas, tu fais ton truc dans ton coin. Ah, c'est violent. Je vais changer de perso. Ah, pourtant t'avais du futur avec Chic, hein, je le sentais, il y avait un truc. Avec Chic, ouais, il y avait vraiment un truc, quoi. Attends, je vais jouer Pikachu. En catcheur, évidemment. La base. C'est Ligaïa. Écoute, il n'y arrivait pas sur le chat. Et ouais, donc c'est quelque chose qui te plaît aussi de faire des voyages, genre te dépayser totalement. Le Mexique, c'est quand même vachement différent de la France. Tu te sens bien, t'es
T'es quelqu'un qui est à l'aise avec les voyages ou t'es plus casanier? C'est difficile à dire de base, je suis pas spécialement casanier. Enfin, ça dépend juste de l'occasion en fait. Si j'ai rien, si j'ai pas d'occasion de partir, je pars pas. Mais de base, j'ai toujours aimé sortir, j'ai toujours aimé découvrir des nouveaux endroits, etc. Découvrir des nouveaux gens, parler d'autres langues. Bon, Ok. parler d'autres langues, c'est bien, mais pas pendant 3 semaines non plus. Normalement, j'en ai marre. Ouais. J'ai envie de parler français. Mais oui, non, ça a toujours été un truc que j'aime bien. Et au final, je l'aime encore plus que ce que je croyais, parce que là, par exemple, je sais pas, ça fait 3 mois, je vois pas mes maisons, en fait. Je paye un loyer, je sais même pas pourquoi. Je suis jamais chez moi. Je suis toujours soit au Mexique, soit aux US. Et au final, bah, forcément, ça a ses points positifs et ses points négatifs, dans le sens où je découvre du nouveau pays. Parfois, j'ai le Oui. temps de visiter, donc ça fait vraiment plaisir. Parfois, pas du Ah, ça tout. c'est bien, Je fais ouais. juste avion, tournoi, avion. Ça, c'est pas fou. Mais bon, au moins, il y a l'entraînement, il y a le tournoi, etc. Mais sinon, ouais, ça fait vraiment du bien de pouvoir bouger tout le temps partout. Oh putain. En plus, le Mexique, comme tu dis, Oh! Eh, hey, t'as vu? Je suis revenu, je sais pas par quel miracle, mais t'as réussi. hein! Bien joué. Là. Ouais, et le Mexique, c'est vraiment complètement différent, mais j'aime beaucoup le Mexique. En fait, je savais même pas quoi m'attendre quand je suis allé la première fois. Puisque j'y allais juste pour jouer avec MKLeo, etc. Et ouais. Alors, Pikachu, tu peux faire deux B, tu peux en anglais deux, c'est-à-dire que tu fais un coup vers le haut, puis après tu mets ton stick vers une autre direction et tu vas pouvoir faire deux B du coup. Vas-y, essaye. Fais une autre direction après. Ok. Mince. O, tac. Tu fais OB vers le haut, puis vers la droite. Attends. OB. Non, pardon. OB vers le haut, puis vers la droite. Puis vers la droite. Oh merde. Enfin, un peu plus vite que ça. Plus vite? Ok. Encore plus vite. Ah, c'est chaud. Parce que là, si tu fais ça, ça veut dire que tu l'as fait trop tard. Vas-y, encore. Encore plus vite. Tac, tac. Oh Encore plus merde. vite. Ah, j'arrive pas, hein. Peut-être tu fais trop Non! vite. Ouais. Ouais, je fais peut-être trop vite. Ça, par exemple, tu vois, Pikachu, c'est Ah! un personnage qui est considéré limite comme top 1 Faut du juste. jeu, en Faut un juste. top niveau. Ouais. Mais à bas niveau, c'est super dur, parce que bah, il est pas puissant, Ouais, je il est l'aime bien, rapide, moi. les combos, bah, c'est difficile à faire, et bah, pour revenir sur le terrain, comme on l'a vu, c'est pas non plus très Ah bah, facile. pardon, j'ai dit le tournoi de Némésis. Genesis, pardon. Némésis. Ça faisait plus badass, écoutez, j'ai décidé de changer. Pardon, pardon. Oui, c'est bien le Genesis de tournoi et pas le Némésis. Ouais, Ouais, donc il y a Couteau qui c'est disait qu'il faut juste tourner le stick et pas faire B et sticker à droite. C'est peut-être pour ça que ça marchait ouais, pas, je vais réessayer. Alors, tu fais attends. juste les t'as besoin de B, pardon. Tu fais juste le stick haut, droite. B. Là, tu fais ton stick à droite après. Ouais? T'es sûr? Attends. Est-ce que tu reviens à zéro ou tu fais haut, droite, direct? Ah non, je reviens à zéro. Essaye de pas revenir à zéro pour voir. Je sais pas si c'est vraiment ça. Hein. Bonne question. Ouais, ça marche pas, hein. Appuie, attends. Fais une fois au B et après Ah, là tourne j'ai ta stick. réussi. Voilà. Tu l'as vu là? Voilà. Ouais. T'as réussi. J'y arrive qu'une Je fois sais pas par ce que ça contre. fait si tu tournes ton stick au hasard après le premier B. Vas-y, essaye de tourner ton stick au hasard après. Mais Genre, tu oh. fais OB et après direct tu tournes vite. Ouais, c'est ce que j'ai fait là. Ouais, je sais pas. Je connais pas, je t'avoue, je sais pas exactement. Dis-toi qu'il y a des Pikachu, c'est des pros et ils se suicident quand même de cette manière-là parce D'accord, ce ils qu'il font pas est. bien le jeu. Du coup, c'était quoi la question? Ouais, les voyages. Ouais, bah, par exemple, le Mexique, c'est vraiment ouf. Ouais, le Mexique, Non, mais pour gagner, je vais me mettre là, en fait. Hein. c'est. Vas-y. ouais, les voyages, c'est vraiment cool. Surtout le Mexique, j'ai pu découvrir plein de nouvelles personnes, nouvelles cultures, de la nouvelle nourriture. Elle est incroyable, la nourriture au Ah, c'est Mexique, vrai, c'est vraiment. bon. Je te conseille d'y aller juste pour la nourriture, hein, si t'aimes bien ça, en tout cas. Oui, de ouf. Je jure que c'est une raison valable. Juste pour les tacos. C'est Waouh. vraiment incroyable. Mais c'est ce qu'on m'a dit, ouais, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît, quoi. Ouais, c'est complètement différent à tous les niveaux en fait. La culture est différente, la nourriture est différente. Donc tu t'y sens bien, quoi. La langue. En vrai,
Ouais, il y a juste quelques détails, par exemple, bah, ok, t'adores la bouffe, mais est-ce que la bouffe, elle t'aime? Bah, pas trop, genre, tu manges épicé tout le temps. Ah oui, Pendant d'accord, après, je ton corps, vois. il tourne. Je vois bien Alors. le genre. Ouais, mais logique, après, faut adapter son corps. Ouais, tout à fait. Ça change Faut beaucoup. savoir que ouais, les épices, ça pique pas que dans la bouche. Faut savoir. C'est un petit détail à prendre en compte. Ouais, Pour forcément. ceux qui veulent aller au Mexique, hein, préparez-vous. Heureusement, t'es au courant avant la compète, c'est bien. Ouais, Parce que bon. bah, juste avant, je suis obligé de faire une diète, on va dire. Ouais, logique. J'arrête de manger des tacos, ou en tout cas, je mets pas de sauce. Parce que surtout, en fait, la sauce qui est très Ah épicée et très oui. piquante. Ouais, les sauces sont vraiment très piquantes. Même quand un Mexicain vous dit c'est pas piquant, t'inquiète, ne le croyez jamais. À ce moment-là? Règle du bon. Ne jamais faire confiance à un Mexicain à propos de l'épice. Voilà. sais pas comment ils font pour ingurgiter autant de piquants du coup dans leur. Parce qu'ils mangent. Alors, en fait, je leur ai demandé et ils m'ont dit que même eux ils souffrent en fait. Hein. Quoi? C'est juste qu'ils aiment ça. D'accord. En C'est fait, particulier quoi. ils sont habitués. Forcément, ils souffrent moins que nous. Mais ils disent que même eux, ça leur arrive de parfois. Bah, ils D'accord, ont des d'accord. urgences. Voilà. Mais bon, après, en vrai, tu t'habitues au bout d'un moment. Même moi, la première fois que je suis allé au Mexique, je pouvais rien manger. Genre. Tout ce que je mangeais, c'est que je brûlais. Et maintenant, en fait, ça va, y a rien qui me détruit. Mais bon, le ventre, parfois, tu peux pas trop contrôler. Ok, oui, ouais, bah, logique, logique. Voilà. Putain, j'essaye de te feinter, des fois, ça marche pas du tout, quoi. Vraiment, c'est terrible. Mais c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Wow. T'as fait exprès à vous. Donc là, si tu m'avais pas touché, je serais mort dehors. Hop là. Ah, oh, je croyais que c'était moi qui avais fait un smash, pas du tout, en fait. En fait, si tu l'as fait, mais t'es resté appuyé sur ton stick, du coup ça l'a chargé, et donc ça le rend beaucoup plus lent. Ah ouais. Si t'avais pas chargé, je pense qu'il serait sorti. Ouais, Pikachu, c'est un perso que je trouve vraiment sympa. En vrai, Oh! Je l'ai fait là! il est vraiment bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh, c'est devenu banal. C'est bon, tu maîtrises maintenant. Ouais, Pikachu, c'est un bon perso. Hein. Il y a Ouais, sept persos clairement. qui le jouent. Ouais. Ah Il y en ouais? a qu'un qui est très fort en fait. C'était Issam. Sous-côté en fait, Pikachu. Il est trop fort. C'est le seul avec lequel j'arrive à te faire un peu de dégâts. Les Fatal Foot, tout ça, c'est pas mal. En fait, ça, l'une de Bah. ses plus grosses forces, en fait, c'est qu'il est très petit et il bouge partout et il est très difficile à toucher. Eh oui. Oh là là. Tiens. Bien chargé, bien dans ma tête. Eh, si ça se trouve, tu vas affronter un Pikachu. Ouais. Tu vas penser à cet entraînement et ça va t'aider. C'est un truc Mais de fou. personne ne le voit. Là. Tous les F-tilt et les side B comme ça, je vais dire ok, je sais comment punir ça. Voilà. Et grâce à toi. Bien vu, bien vu. Ah, je sais, je Normalement, j'ai pas suis. de Pikachu dans ma braquette. Pardon? On sait jamais. Normalement, j'ai pas de Pikachu dans ma braquette, mais on sait jamais. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai que tu connais toutes les personnes, donc tu connais un peu déjà les personnages qui vont tomber, eux. Alors, tu les connais pas forcément, mais en fait, tu peux juste aller sur des sites qui répertorient toutes les stats de chaque joueur. Et donc, t'as juste à taper son pseudo et tu dis, ok, bah lui, il joue ça. Et il aime bien ce terrain-là. T'as vraiment des bêtes de stats qui peuvent aider. Ça, c'est Sur. pratique. Alors, quoi le site? C'est. Je sais plus c'est quoi le site. Mais il y a un site qui permet de répertorier ça. Ça doit être soit Panda Global ou PG Stats. Ah oui, c'est ça, c'est PG Stats. Et ça donne toutes les stats des joueurs, en fait, sur leur perso, qui joue. Qui joue dans tel match, sur quel terrain, s'il est fort ou pas, ses résultats, il y a vraiment tout. C'est assez intéressant. Alors. Et pour toi, c'est quoi les points positifs du Ouais. jeu, ce que tu trouves qui est très bien fait, les points négatifs aussi forcément. Un truc que t'adores sur Ouais. le jeu, un truc que tu détestes en Alors, gros, les points. pour faire plus simple. Pourquoi? Alors, le truc que j'adore.
C'est compliqué parce que j'aime beaucoup de trucs. Il n'y a pas un truc particulier que j'aime bien. J'aime bien le fait qu'on soit libre en fait dans le jeu. Ouh, t'as vu ces mécaniques? Ouais, qu'on soit libre, dans quel sens? Alors, libre dans le sens où, tu vois, dans les jeux de combat traditionnels, t'es vraiment au sol, tu vas à gauche, à droite, point, tu peux sauter, mais voilà. Alors, dans ce jeu-là, tu peux vraiment te déplacer énormément, quoi. Ouais. T'as des plateformes qui peuvent t'aider, c'est vraiment... Bon, c'est en 2D, mais en 2D, 3D. Enfin, vraiment, 2D, ouais. Mais il y a des plateformes, enfin, bref, tu peux sauter énormément, tu peux bouger partout. Tu peux utiliser le fait de pouvoir bouger pour payer ton adversaire, pour utiliser les mouvements. Et les mouvements dans ce jeu-là, vraiment, c'est des choses que j'apprécie énormément. Le fait que aussi il y a énormément de persos, c'est forcément cool. T'as forcément un personnage qui va te correspondre et tu vas forcément t'amuser avec un personnage qui est fort, probablement. C'est vrai que t'as énormément de choix. Ouais, y a vraiment beaucoup de choix. Il y a genre 20-30 persos qui sont vraiment forts. T'as juste à jouer les 30 et tu en choisis un parmi les 30 et voilà. Tu peux faire ton la compétition dessus. Ouais. Aïe aïe aïe. Eh, ça va alors. C'est un peu de Nemo, ça. Même Issam, le meilleur Pikachu du monde, fait pas ça, tu le vois. C'est vrai. Ben voilà, il va apprendre une nouvelle mécanique. Oh non. Side B to 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 side B. Ah bon. Ouais, ouais, je l'ai appelé le spam du noob. Le spam du noob. Le SPN. Alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc là, ouais, je pense que c'est l'aspect que j'aime le plus dans ce jeu, c'est cette liberté de faire un peu ce que tu veux. Et il n'y a rien de complètement optimal. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu joues un perso que tu dois absolument faire ça, la même chose tout le temps, parce que c'est optimal, point. Il n'y a rien qui est optimal tout le temps. Il y a, on va dire, des groupes d'options optimales dans telle ou telle situation, forcément. Mais il n'y a rien que tu te dis, ok, ça, je dois le faire tout le temps parce que c'est la meilleure chose à faire tout le temps. Ouais, c'est le cas que dans des situations très précises. Mais généralement, non. Le mieux, c'est de mix-up. Mix-up, ça veut dire, en gros, changer tes options. Et le mieux, c'est vraiment de faire ça. Tu dois tout le temps changer tes options pour te rendre le moins prévisible possible. Ouais, donc, en fait, et chaque combat est totalement différent, c'est ça? Tout le temps. C'est tout le temps différent. Ça, c'est cool. Chaque combat, chaque match-up est différent. C'est vraiment cool. Tu verras jamais la même chose deux fois d'affilée. En tout cas, pas trop à haut niveau. Et ça, c'est vraiment cool, je trouve. C'est l'aspect le plus cool dans le jeu. Après, forcément, bah, j'aime bien le fait qu'il y ait des combos stylés. J'aime bien certains personnages parce qu'ils sont stylés, soit juste au niveau de la licence. Par exemple, les Sephiroth, tout ça, bah, c'est des personnages qui sont vraiment très charismatiques, très stylés de base. Ouais. Joker. Et il y a d'autres personnages qui sont plus fun. On va dire Wario, par exemple, je le joue non seulement parce qu'il est très libre, tu sais, il peut vraiment bouger énormément. Je me suis arrêté juste devant toi. Mais aussi parce qu'il est marrant, genre il est vraiment con, il fait n'importe quoi quand il se bat, il met des doigts dans ta tête pour se battre, il danse, il fait du breakdance pour se battre, il se tape avec sa moto, il te met des coups de fesses, enfin ouais, il est marrant quoi. Donc voilà. Ah non. Dommage. Et le ratio, alors ça veut dire que t'es forte avec Pikachu. Pourquoi? Parce qu'en fait le ratio normal des Pikachu Pro, c'est de se SD une fois par game. Donc si tu te SD une fois par game, c'est que t'es proche des professionnels. Let's go. Attends, si tu te SD deux fois par contre... Ah non, mais non, ça n'arrivera plus, voyons. Hop là. Oh, là, là. Aïe aïe aïe. Terrible. À ne pas refaire au tournoi, ça. Alors, pour l'aspect négatif... Oui, l'aspect négatif. T'as dit quoi? Non, je disais oui, l'aspect négatif, ouais. Ouais, en premier, c'est la qualité du online. Mm-hmm. Ça reste quelque chose du jeu. Deuxièmement, je dirais le buffer. Alors, le buffer, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir... comment expliquer ça? Préparer un coup à l'avance sans que j'ai besoin de faire un timing parfait. Par exemple, dans Melee, t'as pas de buffer. C'est-à-dire que si tu tapes, si tu fais ton coup pendant le lag d'un de tes coups, bah, y a rien qui va sortir après. Alors que là, par exemple, regarde, je vais mettre un up smash et je vais faire mon saut très longtemps à l'avance et ça va quand même sauter. Justement parce qu'il y a un buffer. Et par exemple aussi, tu peux juste rester appuyé. Là, par exemple, je vais faire mon up smash. Pendant le smash, je reste appuyé sur la touche de saut et dès que mon lag est terminé, ça va sauter. Donc du coup... Ça c'est une mécanique qu'il y a sur Ultimate, mais pas sur les autres jeux. D'accord. Hop.
Et ça permet en fait de faire des combos plus facilement. Par exemple, regarde, si je te mets en l'air, hop, voilà, pour faire ce combo-là, bah, j'ai juste à rester appuyé sur X et A. Ça va littéralement le faire. Du coup, il y a une partie moins skillée du jeu. C'est ça? Alors, oui et non, c'est surtout qu'en fait, c'est mal fait. Et parfois, ça va buffer des coups que tu n'as pas demandé. Donc, par exemple, si à l'avance, tu te fais taper, tu avais prévu qu'il se passe quelque chose, donc tu vas faire un certain input. Et finalement, il se passe autre chose et ton adversaire te touche, bah ça va te faire un coup automatiquement alors que tu n'as pas demandé ça, tu l'as demandé il y a genre longtemps et ça va quand même le faire. Et à cause de ça, bah tu vas mourir tout seul ou quoi. Dans ce jeu, en fait, il y a 18 frames de buffer, ce qui est beaucoup trop. Le buffer est beaucoup trop important dans ce jeu-là et certes, ça aide pour certains trucs, mais ça va être très problématique dans certaines autres situations et ça, c'est un gros problème, c'est juste très mal fait. D'accord. Il y a une autre mécanique qui est mal faite, je trouve, c'est la mécanique de cross-up. Alors, je vais te montrer ce que c'est le cross-up. Vas-y, shield. Non, shield d'ailleurs. Voilà, shield au milieu du terrain, voilà, hop. Voilà, donc là, je n'étais pas cross-up. Je suis resté devant toi, ok? Ouais. Vas-y, shield encore. Encore une fois, je n'étais pas cross-up. Regarde-moi, regarde dans mon sens. Vas-y, shield. Bon, ça cross-up juste pas, ok? Ça, faut le savoir. Mais en fait, il y a des coups qui cross-up et d'autres qui cross-up pas. Ça veut dire quoi, cross-up, du coup? Ah oui. J'ai déjà vu montrer. Donc, en fait, ça veut dire traverser. Donc, ça va être en wifi. Voilà, là, j'étais cross-up. C'est-à-dire que t'as vu, j'étais devant toi de base. Ouais. Et j'ai atterri derrière toi. Donc, ça, c'est un cross-up. C'est quand j'atterris derrière toi après le coup. D'accord. Donc, il y a des dash attacks qui vont cross-up certains persos, mais pas tous. Il y a des dash attacks qui vont cross-up dans certaines situations, mais pas toutes. Okay. Par exemple, toi, vas-y, fais-moi une dash attack dans mon shield. Je fais comment une dash attack? Ça, alors, c'est une dash attack, c'est quand tu cours et tu fais le stick C. Ça? Ok, ça va pas cross-up. Ouais. Maintenant, on va le faire quand je suis tout au bord. Vas-y, refais la même chose. Voilà, t'as vu ça? Ah là, ça a marché, ouais. Effectivement. Donc, en fait, la dash attack de Pikachu, elle le cross-up jamais, je crois, hormis ici. Et donc, du coup, faut le savoir, c'est un petit détail, mais faut le savoir parce que bah, la punition n'est pas du tout la même si ça cross-up ou si ça cross-up pas. Ouais, ouais, clairement. Il y a des petits détails comme ça. Parfois, c'est impossible de savoir si ça cross-up ou pas. Ok, il y a vraiment pas de moyen de le vérifier. Non, il y a des trucs, vraiment, personne ne saura. D'accord. Et autre chose, parfois aussi, c'est très bizarre, t'en bouge pas. Mais dans certaines situations, par exemple quand tu rolls comme ça, etc., l'adversaire va arriver sur toi. Et en fait, par exemple, si tu grabes devant toi, l'adversaire va atterrir à gauche de toi, donc ça va pas grab. Mais si tu avais gauche, grab à gauche, grab c'est attraper, ouais. Bah en fait il va atterrir à droite. Donc en fait ton adversaire n'était ni à droite ni à gauche. C'est n'importe quoi. D'accord. Et ça arrive de temps en temps. Et ça c'est aléatoire aussi. C'est très bizarre, c'est un peu aléatoire. C'est pas aléatoire en vrai, parce que si tu fais exactement la même chose, tu pourrais le reproduire. Mais c'est tellement des détails que tu peux pas savoir à l'avance, et c'est très chiant. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Donc voilà, cette mécanique aussi est mal faite. Il y a aussi la mécanique, bon, on en avait parlé tout à l'heure, c'est du full-up et du short-up. Donc ça, c'est short-up, ça, c'est full-up. Par exemple, quand tu veux full-up un aérial, tu peux pas. Puisque si tu fais un coup rapidement après avoir sauté, et full up, c'est obligatoirement un short up. Ah oui, full up, c'est le coup de pied en l'air, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est juste un grand saut. Donc short up, c'est juste un petit saut. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié le vocabulaire. Donc, voilà, si je veux faire un petit saut avec un aérial, c'est facile. J'ai juste à faire X plus A direct en même temps, et ça va faire forcément un short up, ok? C'est ça. Sauf que si je veux faire un full up, ouais, voilà. Si je veux faire un full up, en fait, dans les autres jeux, t'avais juste à rester appuyé sur X. Et ça faisait un full-up, donc bah facile de faire un full-up. Okay. Maintenant tu peux pas... Oh pardon. Pour faire un full-up, en fait, il faut mettre un peu de délai dans ton coup. Donc au lieu de faire X plus A en même temps, tu dois faire X plus A et attendre un peu. Mais bah parfois, tu le fais un peu trop tard, du coup, bah tu t'as pas ton combo ou quoi. Et du coup, full-up plus aérien, c'est une technique très dure à faire dans ce jeu-là, alors que ça devrait pas l'être. Et ça, c'est un problème aussi. Okay. Et bizarrement, les plus gros problèmes du jeu, c'est des détails en fait qui pourraient changer très facilement, mais ils veulent juste pas en fait. C'est un peu bizarre. Et ils veulent garder une part de random un peu, parce que justement, ils sont pas sûrs de vouloir être dans le compétitif, peut-être. Je sais pas trop. Alors,
Je pense que c'est plutôt que pour eux, bah, par exemple, ça rend plus facile à faire des short-up. Par exemple, si tu veux faire un short-up, avant les gens avaient du mal à faire aérial plus short-up. Maintenant, t'as juste à littéralement juste rester appuyé et faire les deux en même temps, ça va faire short-up. D'accord. Donc, c'est pour essayer de rendre le jeu plus facile. Là, ça la rend principalement plus facile et plus assistée. Ça le rend juste plus compliqué, en fait, c'est bizarre. Ok, ok. Paradoxe. Donc, voilà. Bah, super. Bah voilà, j'ai encore fait une fois. Le ratio de 1 suicide par game. Ratio des champions. C'est ça. Donc là, par exemple, il y a eu un truc très très bizarre, mais je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu, j'étais concentré sur revenir. Elle t'a touché deux fois. Ouais. Et elle t'a touché deux fois. D'accord. Très très bizarre. Hein. Ouais, il y a plein de trucs bizarres dans le jeu qui sont un peu problématiques en vrai. Ouais. En fait, le problème, c'est que, tu vois, ils ont une possibilité de mettre des mises à jour. Ils savent qu'il y a ces problèmes-là parce qu'on en parle tout le temps sur Twitter, que ça se voit dans les vidéos. Enfin, ils auraient juste à s'informer vite fait pour le voir. Il n'y a vraiment pas de problème. Je pense qu'ils sont même au courant, puisqu'ils ont des pro players avec eux pour les. Oui, bien sûr. Ouais, mais j'imagine bien qu'ils sont au courant quand même. C'est ça. Le fait qu'ils ne changent pas, ça veut dire que c'est un choix de leur part. Ils ne veulent pas. Et c'est ça qui est bizarre, je comprends pas leur choix. Bah, peut-être parce que leur jeu marche quoi qu'il arrive et ils ont pas envie de s'embêter. Je sais pas. Ouais, mais ils ont quand même fait des modifications. Ils ont quand même changé le jeu pour le rendre plus équilibré plein de fois. Ils ont fait plein de mises à jour. Ouais, c'est vrai. Pourquoi le faire à moitié ? C'est ça le truc que je comprends pas trop. C'est vrai que parfois ils font les choses à moitié ou ils veulent pas vraiment le faire. Donc là-dessus, je sais pas. Je comprends pas et ça, c'est un des gros problèmes de. De Nintendo, il y a des prises de décision chez eux que on comprend vraiment pas. Ils pourraient mettre tellement d'argent en fait. Tu vois le système de LoL, de League of Legends, des skins. Ouais. Imagine, ils faisaient ça sur Smash Bros. Ah bah ils seraient riches. C'est-à-dire, enfin ils sont déjà riches. Déjà ils sont déjà riches. Mais que disons mettre l'argent des skins pour mettre des compétitions, on va dire. Alors imagine, ouais, on veut pas l'argent des skins parce qu'on veut pas cette logique-là, ok. Bah c'est pas. L'argent, donnez-le nous et faites des tournois avec. Ouais, c'est vrai. Voilà, l'idée ça. C'est en fait Pikachu, alors, c'est le même perso que Pikachu. Alors, Pikachu, c'est le même perso que Pikachu quasiment. Il a quand même des coups différents. Donc visuellement, ça a l'air d'être le même. Ça a l'air d'être le même puisque ouais. Bah, au niveau des coups, c'est presque les mêmes. Mais en vrai, en pratique, c'est pas du tout le même puisque chaque coup vont pas avoir les mêmes effets. Et en plus, voilà, il y a ça. Surprise. Mais si tu en manques bien, tu vas remourir là en fait. Ok. Non, vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, oh. Recommence, on sait jamais. Je suis pas une joueuse de Pichou, visiblement. Mais regarde, il y a un petit détail. Regarde les pourcentages. T'as 4% alors que je t'ai pas touché. Ah, il prend des pourcentages tout seul ? C'est ça, c'est la particularité de Pichu, quand il tape, il se prend des pourcentages tout seul. C'est nul. Bah c'est nul, mais en fait ça en fait un glass cannon, c'est-à-dire que glass cannon, en gros, c'est quelqu'un qui fait très mal quand il touche, mais il fait très mal aussi quand il se fait toucher. Enfin, il se fait très mal quand il se fait toucher, c'est-à-dire que, il va se faire il fait plus mal que Pikachu, alors. Et alors oui, il va vraiment avoir des combos beaucoup plus puissants, il va avoir des coups plus puissants, il va avoir des 0 to D, des trucs comme ça. Mm-hmm. Mais en contrepartie, il est très léger et il se fait fumer très facilement. Et en plus, il se fait fumer lui-même. D'accord. Parce qu'il se prend des pourcents. Mais ça reste un... Au tout début du jeu, en fait, il était top tier, c'était l'un des meilleurs persos parce qu'il était vraiment complètement craqué. Mais ils l'ont beaucoup nerf parce qu'ils se sont rendus compte que c'était n'importe quoi. Ok. Ça reste un perso jouable. Mais disons que compétitivement, c'est difficile de jouer un perso comme ça, parce que bah t'as beau bien jouer, il y a des games où tu vas juste mourir, puisque bah tu vas mourir très tôt, parce que t'as un personnage très 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 léger, qui est le plus léger du jeu, il me semble. Et en plus, bah... Ouh, le combo. Joli, bien. Et en plus, on est dinguerie. Ouais. D'accord. Ouais, oh, c'était quoi ça ? T'avais 30%. Je t'ai mis un rocket et t'exploses parce que t'es très léger. Par exemple, Bowser, là, il aurait pas bougé. Hein. J'aurais voulu mettre ça... Ok. Et sinon... pour des questions plus personnelles... Oui, la scanou, j'ai le terme. Mais je savais pas que ça c'était utilisé sur LoL aussi.
Je savais pas du tout. C'est quoi ta journée type, ta routine en fait? C'est marrant parce que tout le monde aime bien demander cette question-là, mais je peux jamais répondre. J'ai pas de merde. Journée type. Ok. J'ai jamais chez moi en fait. Un journée type pour moi, c'est la vie. Voilà. Attends, ça a bugué quand t'as voyagé. J'ai dit la journée type pour moi, c'est de prendre l'avion. Ah oui, d'accord. Tu voyages beaucoup, bon, disons qu'une journée type, si jamais on va dire que je suis dans une période où j'ai pas de tournoi et que je suis chez moi et que vraiment je suis pas en mode j'ai besoin de me reposer parce que j'ai fait 35 heures d'avion. Ouais. Disons que ma journée ça serait je me lève tard parce que le matin ça sert à rien d'être là parce qu'en fait il y a pas de genre je peux pas streamer le matin. Je peux pas faire grand chose en fait. Disons que si de base j'ai envie de stream, ça va être dans l'après-midi puisque le matin je vais pas stream. Donc la plupart du temps je vais me lever tard, surtout qu'en plus vu que je suis décalé avec les jet lag, etc. Les jet en général lag. Je me lève tard. C'est ça. Donc je vais me lever tard et je vais faire à manger. Puisque quand je suis chez moi et que j'ai vraiment le temps, j'ai toujours à manger chez moi, j'aime pas. Voilà. Et j'aime bien rester healthy, on va dire. D'accord. Je trouve que c'est ma façon de vivre. Plus je trouve que c'est bien en fait, en tant que compétiteur, d'avoir un mode de vie sain. T'es, ouais, plus, tout à fait. T'es plus apte à être à 100% tout le temps que si tu manges de la merde tout le temps et que t'as mal au ventre tout le temps ou que voilà. Donc, le but en fait, le but de la journée type. Bah, non seulement être de faire du contenu Twitch, etc., de s'entraîner bien sûr, mais aussi de rester en forme pour les potentiels tournois que tu vas faire après. Ça, faut y penser vraiment. Donc, c'est pas parce que je suis en journée type que je vais me permettre, ah, c'est bon, j'ai rien à faire, je peux aller en soirée tous les jours et revenir à 4h du matin tous les jours et être KO le lendemain. Puisque potentiellement, le week-end d'après, je vais devoir être en tournoi et devoir être à 100%. En tout cas, je dois faire en sorte d'être à 100% quand c'est des tournois vraiment importants. Quand c'est des plus petits tournois, on va dire que ça a moins d'importance. Mais quand c'est des gros tournois, il faut vraiment que j'ai préparé ma semaine pour être à fond le week-end. Ok. Donc, et tu fais du sport aussi à côté quoi, vu que tu as l'air d'avoir un côté. D'accord, tu fais du sport. Tu vas. Tu fais quoi comme type de sport? Un sport très peu reconnu du public qui s'appelle Ring Fit Adventure. D'accord. Ouais, mais c'est sportif de ouf en fait ces trucs là. Oui, c'est archi, je te jure, les gens ils se foutent de la gueule des Ring Fit Adventure et c'est trop craqué pour rester en forme. Juste, donc je devais pas dire tu vas pas devenir. Non, bien sûr. Avec Ring Fit, mais ça te permet de rester en forme chez toi et plus que ce que les gens croient, surtout si tu mets le niveau max. En plus, c'est plutôt fun. Et avant en fait, je faisais beaucoup de foot. Donc à l'époque où j'étais à l'université, au lycée, tout ça, je faisais vraiment beaucoup de foot. Mais là je peux plus en fait puisque t'as pas le temps et tu peux pas avoir d'équipe. T'as dit quoi? Tu peux pas, t'as pas le temps d'avoir une équipe de foot, enfin d'avoir des rendez-vous réguliers si t'es c'est tout le temps en voyage. C'est ça, donc au final en termes de temps j'ai le temps, mais c'est pas le bon temps, c'est-à-dire que j'ai le temps en week-end, la semaine pardon. Ouais. Alors que eux la semaine ils travaillent et eux ils font des YouTube le week-end, sauf que moi le week-end je suis pas là. Du coup, c'est super dur d'avoir les mêmes timings, donc j'essaie d'en faire de temps en temps quand même avec eux. Mais je peux plus beaucoup, parce que je suis pas dispo en fait. Donc, je suis obligé de trouver autre chose, des sports d'intérieur, ou juste sortir, marcher, courir, faire un peu de sport, tout ça. Mais elle est nulle, elle, comme perso. Oula, nulle. C'est top 5 meilleurs persos du jeu. C'est vrai? Ouais. Ah merde. Après, comme je t'ai dit, tu sais, Mais les elle persos est trop sont pas du tout forts de la même manière au même niveau. Tu la trouves lente? Elle court super vite pourtant. Ah ouais? Ouais, vas-y. Ouais, elle court vite, mais elle lance ses sorts, elle est longue quoi. Ah oui, en fait tu fais des sorts que justement faut pas faire. Ah d'accord, très bien. Donc là, les sorts que tu fais, c'est vraiment des sorts lents, que tu dois faire quoi, soit vraiment quand l'adversaire est vraiment très loin, comme ça tu te fais pas punir. Toi, tu les fais pas du tout. Tu fais ça en comme fait, ça elle va bouffer. Ça, par exemple, tu le fais très peu. Et ça, tu elle est basée sur le nerf. Le nerf, c'est coup en l'air, aérial, A. Sans direction. Vas-y, essaie de le faire. Voilà, celui que tu viens de faire là. Et elle va faire ça tout le temps. Elle va faire nerf, 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 tout le temps. Oh
Elle va faire des backers aussi. Ouais, ça c'est vraiment cité, c'est lent, mais ça active très longtemps. Vas-y, fais le up smash. Ça? Hop. Et si je mourrais, vas-y. Enfin, j'arrive pas à réagir, mais vas-y, refais-le. Mince. J'arrive pas à me le prendre exprès, comme par hasard. Mais en bref, il est actif très longtemps. D'accord. Donc ça peut être vraiment pratique. Du coup, elle va faire beaucoup de nerfs, beaucoup de backer. Le backer, c'est ce que je t'avais montré avec Donkey Kong, c'est ouais. Le coup derrière. Puisque vas-y, essaye de le faire. Attends, c'est quoi? C'est... Je saute. Tu sautes et tu mets de dos. Tu mets le stick de dos. Hop, hop. Ça c'était le faire. Puisque t'as fait devant toi, fais la même chose mais de dos. C'est-à-dire que tu vas sauter et tu vas mettre ton stick à droite. Voilà. Donc tu vois que là, qu'elle met un coup de bouclier. En fait, ce coup de bouclier-là, il gagne littéralement tout dans le jeu. Puisque c'est un bouclier. Donc si je tape ton bouclier, toi, tu n'auras rien. Et ce coup-là, bah, t'as juste à faire que ça. Il y a des personnages qui ne peuvent rien faire contre toi. D'accord. Donc, tu fais backer, 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 backer. Il y a des persos, ils peuvent rien faire. Après, tu vas faire nerf, 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 nerf. Il y a perso, ils peuvent rien faire. Après, tu vas faire que des EPR aussi et des persos, ils peuvent rien faire. En fait, le perso est très orienté, c'est-à-dire que t'es obligé de faire les mêmes coups avec Palutena. Mais c'est des coups très très forts et des persos, ils peuvent rien faire contre ça. J'arrive pas à faire. Après, un petit faut saut. Le faire en... C'est-à-dire qu'il faut le faire en atterrissant, comme ça, tac. Hop. 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 Bon, c'est pas facile, hein. Mais voilà, un peu comme ça. Tu peux le faire encore plus tard, ouais. Presque. Dur. Ouais, vraiment le timing. En fait, c'est encore plus dur parce que là, on a littéralement une demi-seconde de délai. Oh, c'est quoi ça? Ça vise? Alors ça, c'est un peu les... C'est trop fort. Ouais, tu vois, c'est vraiment fort, mais de loin. Parce que si tu le fais de près... Oui, oui, oui. Ah, attends. Ouais, éloigne-toi. Pardon. Si tu le fais de près... Déjà, si tu le fais trop loin, il n'y a rien qui s'active. Ok. Donc tu fais à bonne portée. Voilà, ça s'active. Et si tu le fais trop près, bah... Hop, hop. Ouais, ouais, ouais. Oui, fini si tu le fais trop près. Ouais. Donc voilà, c'est un beau perso. Si tu l'aimes bien, ouais, tu pourrais la jouer, mais dis-toi qu'elle est un peu compliquée. Hein. Genre, bah... c'est pas un perso que tu peux prendre du niveau et être fort avec. J'aime bien le skin, mais voilà quoi, c'est tout. Ouais. Et. Donc, ok, t'es quelqu'un qui aime avoir un rythme de vie sain. Ok, ok. Ouais, ouais, bah c'est archi important. Pour être constant, c'est très important. Ouais, mais je comprends très bien, tu fais bien, hein, parce que c'est pas facile d'avoir un rythme sain quand t'as ce type de vie, en soi. Donc, ouais, donc en vrai, le rythme sain, c'est pas forcément se coucher tôt et dormir tôt, en vrai, c'est plutôt pas dormir 12 heures par jour. Ouais. Du moment que j'ai mes heures de sommeil, genre 7-8 heures, si moi, ça me correspond mieux de me coucher à 2 heures et me réveiller à 10 heures, bah au final... C'est mieux comme ça. Mais du moment que j'ai vraiment 7-8 heures et pas 10-12 heures qui servent à rien et qui te rendent encore plus KO, bah c'est bon. Donc ouais, faut retrouver ce rythme de vie. Par exemple, récemment, j'ai découvert que j'avais pas besoin de manger beaucoup. C'est bizarre, hein, mais quand je suis dehors, je mange beaucoup parce que j'ai grave faim. Mm-hmm. Et quand je rentre chez moi, je cuisine. Bah, la plupart du temps, je suis tout seul. Mes colocs sont pas là ou on n'a pas le même rythme de vie, du coup, je mange tout seul. Et moi, je suis du genre à beaucoup aimer cuisiner pour les gens. Mais quand je suis tout seul. Oh, ouais, ça c'est comme tout le monde a flemme un peu. Hein. Ouais, c'est ça, du coup bah je fais des petites salades, des trucs simples, mais pas des plats très. Elle fait quoi elle? Elle bouge très vite elle. Ok. Et du coup bah je me suis rendu compte que les 3 repas par jour, je sais pas si c'est nécessaire. Parfois j'ai l'impression que mon corps il a besoin d'un repas par jour. Je mange qu'un seul repas, j'ai pas faim du tout, je peux faire du sport à côté, je me sens pas mal du tout. Je perds pas de poids, j'ai plus d'énergie comme ça. Donc... Tout va mieux comme ça, donc pourquoi pas faire ça. Enfin bref, vu que j'ai l'occasion de pouvoir faire ce que je veux, en fait, à le rythme que je veux, bah je peux pas m'imposer un rythme qu'on nous a dit de faire, en mode faut manger le matin, puis après tu manges à midi, puis après tu manges à soir à 18h, mais pas trop. J'ai juste fait ce qui me correspondait, et j'ai l'impression que c'est bien mieux qu'avant. Ouais. Donc voilà. Ok. Ouais, du coup, sinon, bah, mon rythme, ma journée quotidienne, on va dire, c'est de faire du streaming, puis de faire des contenus YouTube, c'est-à-dire faire un petit montage vidéo. Puis après, la plupart du temps, j'ai soit des entraînements avec des gens, soit j'entraîne des gens, soit j'ai des cours de coaching à faire, soit je vais aider des gens, soit je vais aider les petits de la Kung Fu Academy. Mm-hmm. Voilà, il y a toujours des trucs à faire. Soit je vais en session,
Soit j'ai des interviews à faire pour me déplacer, soit je vais à Solary pour faire des trucs. Il y a toujours des trucs à faire, donc il n'y a jamais une fois où je me suis dit, franchement, je me fais chier. La seule fois où je me suis dit ça, c'est pendant le confinement, malheureusement. Et même si j'essayais de stimuler un film, c'était compliqué. Ouais. C'était une période compliquée pour toi, mentalement ? Oui et non, donc je me suis adapté. Ouais. Je suis toujours à m'adapter assez facilement, que ce soit dans le jeu ou dans la vie. Du coup, au début, c'était chiant, mais après, je me suis adapté. J'ai créé mon propre rythme, j'avais des trucs différents à faire. Je trouvais des activités que je faisais pas avant. Parfois, je sortais. Non, au tout début, je sortais vraiment pas parce que, disons que c'était interdit déjà. Et en plus, on nous présentait le Covid comme quelque chose de vraiment très, 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 très dangereux. Même si c'est dangereux, c'est sûr, mais pas autant que ce qu'on disait au début. Et vu que je suis à risque, j'ai santé fragile, on va dire, asthme, etc. Ok, t'avais eu peur. Non, je sentais vraiment pas du tout. Mais après, je me suis rendu compte que c'est pas. Bon, c'est grave, mais pas autant que ce qu'on dit. Bah, donc, je suis d'accord. Même vivre. Tout à fait. Au début, on nous disait, c'est fini la vie. Vous vous souvenez de la vie d'avant, c'est fini, pour toujours. Ça a été bizarre hein, quand même, toutes ces annonces et tout, c'était une ambiance particulière. Ah oui. Surtout au début, quand on voyait les gens prendre tous les papiers de toilette là. Ouais, grave. Ouais, mais de ouf. Ça se battait comme si on était dans une série de zombies. Non, c'est vrai. Ça faisait peur. Hein. Mais bon, au final, ça va. Donc ouais, ma journée type, c'est ça. Surtout beaucoup de contenu, de l'entraînement quand je peux, mais vu que, comme vous l'expliquez, je peux pas tout le temps, donc je le fais pas. Du contenu aussi, genre coaching, etc., que ce soit gratuit sur YouTube ou payant sur mon site internet, par exemple, j'en fais aussi, j'essaie d'en faire le plus possible. Et voilà. Tu fais du coaching pour les personnes qui souhaitent apprendre et step up sur le jeu ? C'est ça, donc il y a différents types de coaching, on va dire. Il y a des coachings pour les gens qui sont pro ou qui veulent être pro vraiment en mode full sérieux. Et coaching un petit peu moins sérieux pour des gens qui veulent être casu, mais fort et battre leurs potes. Il y a. Qui est disponible à tout le monde en mode. C'est pas en direct, mais c'est des vidéos que j'ai fait pour eux sur YouTube. C'est juste des trucs d'entraînement quoi, ils peuvent s'entraîner avec ça. Ils sont gratuits. Il y a aussi des trucs un peu plus travaillés et beaucoup plus techniques. Ils sont payants sur mon site. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de contenus différents. Je pense que c'est très important de varier ses contenus et aussi d'apparaître dans le plus de réseaux possible, que ce soit sur Twitch, Twitter, Instagram, dans des émissions de radio, etc. Je pense que vraiment c'est très très important d'apparaître le plus possible, de se montrer le plus possible. Non seulement ça aide pour la scène, ça aide à faire en sorte que ça soit plus sérieux, parce que s'il y a plus de vidéos, les gens vont regarder plus. S'ils savent que c'est vraiment plus sérieux que ce qu'ils croient, ils vont s'intéresser plus à la compétition. Faut faire développer la scène aussi, ça aide vraiment à développer la scène, de se montrer le plus possible. Ça fait partie de mon travail de faire tout ça. Donc je prends le temps de le faire et j'essaie de développer la scène au maximum avec tout ce contenu là. Et ouais, c'est un truc qui est très très important et je pense que la plupart des joueurs le sous-estiment un peu trop, cet aspect là de devoir se montrer, devoir faire du contenu et oui. L'importance de... Les joueurs pro, oui, c'est vrai. C'est vrai que les joueurs pro, y en a beaucoup qui disent ah non, je déteste les streams, je déteste interviews, les trucs comme ça, c'est vrai. Tout à fait. Au début, j'aimais pas spécialement ça, mais je me suis rendu compte que déjà c'est super important. Au final, c'est pas embêtant hein, si tu sais comment aborder ça et t'es pas forcément en mode full sérieux à chaque fois. Là par exemple, parfois on dit des bêtises, c'est pas grave. Hein. Oui, non, c'est sûr. C'est pas la télé quoi, disons. C'est pas la télé, on n'est pas là pour faire un truc où il faut pas rigoler, c'est full sérieux, donc c'est quand même différent. Ouais. Au début, j'étais plutôt dans cette aspect-là, en mode je réponds aux questions qu'on me dit et moi. Après, maintenant, je suis un peu plus en mode je suis moi-même, je dis des conneries et c'est pas grave. Au final, c'est encore mieux. Bah ouais. En plus, tu te fais découvrir par plein de gens qui adorent suivre les joueurs pro, mais du coup, qui en savent pas beaucoup, étant donné que les joueurs pro en général ne parlent pas beaucoup. Tu vois ouais. Donc, ça, c'est cool. Ah ouais. Je trouve que les joueurs pro des jeux vidéo ne parlent pas beaucoup. Pas forcément. Tu vois, en stream par exemple, ils vont plus jouer et ça s'arrête là. Mais du coup, on n'en sait pas forcément plus sur leur vie. Après, toi, visiblement, tu fais beaucoup de. T'aimes la discussion.
donc ça va. Mais mais si, quand tu soutiens quelqu'un, c'est vrai que tu soutiens son, sa partie jeu, mais le, l'humain, il est plus compliqué à avoir. Il est fort, lui, non? Ah ouais, il est plutôt fort, ouais. Il est un peu fort à tous les niveaux. Donc en vrai, à top niveau, bon, il est pas fou parce qu'il est un peu gros, lent, etc. Ouais. Mais il est plutôt bon. Et d'ailleurs, petit détail, tu m'as mis un coup que même les pros arrivent pas à mettre. C'est vrai? Down B. Ouais. Ouais, ouais. Regarde. Fais down B. Ça, ouais, là? Ça, là. T'as vu comment je suis dedans? Ouais. Et en plus, regarde. Restez de moi. Voilà, ça m'a rien fait là, parce que c'est vraiment que à un certain coup, à un certain endroit que ça fait mal. Vas-y, refais. Voilà, ça là. T'as vu combien ça a fait? Ça a mis 60. Ah ouais! Remets-le-moi. Voilà. Ok. C'est de 128 à 182. Et incroyable. Bah, t'as réussi à me le mettre. Trop bien. Voilà. Ouais, du coup, je disais. Alors en fait, c'est un peu normal parce que. Tu vois, dans les autres jeux, genre League of Legends, t'as même pas besoin de faire ce que j'ai dit. Genre. Le jeu déjà est complet, il y a déjà énormément de gens qui vont te regarder juste parce que t'es fort. T'as pas besoin de développer toi-même. Il y a soit d'autres gens qui le font déjà pour toi, c'est vrai. Soit il y a rien en fait qui le fait pour toi. Donc bah, il y en a déjà, ils aiment pas ça, donc pourquoi ils le feraient? Donc ça se trouve, moi non plus, j'aimais pas spécialement ça au début. Enfin, après, j'ai appris à l'aimer et finalement, maintenant j'aime bien. Je pense que ça se ressent dans mes streams. Au début des streams, vraiment, ça se voyait que je streamais parce que faut streamer. Tu vois. Ouais, après, ouais. Bah, je apprécié de plus en plus à trouver ma marque et les trucs que j'aime bien faire, etc. Donc je m'amuse plus. Mais sur Smash, je suis obligé de faire ça en fait. Parce que, genre, je suis censé être, on va dire, le représentant de Smash français. Du coup, si moi je le fais pas, personne le fait. Et c'est compliqué. Donc heureusement, maintenant, il y a les influenceurs justement qui eux sont même pas joueurs et qui le font aussi, qui aident énormément la scène. Mais de ça, base, ils n'y étaient pas. Et... bah j'étais Link le seul représentant, donc si je le faisais pas moi, bah personne ne pouvait voir, etc. Donc j'étais obligé. Donc voilà, bah, après comme je t'ai dit, j'ai appris à aimer, et maintenant il y en a de plus en plus qui suivent aussi. Et les influenceurs qui sont encore beaucoup plus gros que moi, qui permettent de faire avancer la scène, avec, par exemple les Solari, les Étoiles, qui font des, parfois des 10K vues, vraiment ça aide. Hein. Ah oui, ça vous aide? Ah ça c'est bon. Oh, hier je te l'ai remis! Fort, mais il était trop fort. Ouais, c'est un peu plus. Incroyable. Alors, je vais juste t'expliquer comment on recourt un peu avec le perso, parce que t'as vu, c'est un peu particulier. Ouais. T'as pas beaucoup d'angles avec ton B. Donc, je te conseille de recourir comme ça. Tu vas en bas, vraiment en bas de l'edge, et tu fais ton B tout simplement. Vas-y, essaye de le faire. Voilà. Okay. Alors, ce qui est super bien quand tu fais ça, c'est qu'en fait, bah moi, si j'essaie de taper, je vais pas pouvoir. Vas-y, refais. J'ai peur. Essaye d'aller en bas, putain. Voilà, t'as vu, j'ai essayé de taper, et c'est ouais. Même pas pu gagner. Ouais, ouais, en fait, ton L te... D'accord. Alors, t'as une autre façon de recours aussi. C'est genre, tu te mets ici, là, et tu fais side B. Donc, côté B. Non, là, t'as fait up B. Donc, genre, tu vas ici, horizontalement. En fait, tu te mets ici, et horizontalement, tu fais side B. Vas-y, essaye. Non. Ouais, pourtant, c'est... j'ai fait sur le côté. Attends, je vais le faire. Là tu peux OUB. Donc fais juste side B, voilà, c'est ça. C'est ça? Donc tu vois que ça te permet de décaler. C'est ça. Ça te permet de te décaler horizontalement. Ah oui, ok. Donc, si ici à l'edge, hop. Oh non! Bah tu peux. Quel match. Bon, de toute façon, c'est. Tu verras que c'est. Bon, c'est pas facile à prendre au début, mais quand tu l'auras compris, tu verras. Tu comprendras de quoi je parle. Mais j'aime bah, bien lui, hein. Je sens qu'il te correspond bien. Un perso un peu bourrin et tout, ouais, c'est bien, ça me va. Ouais, c'est ça. Genre, il est bourrin, mais il déplace quand même plutôt vite. Sa reco, pour revenir sur le terrain, elle est quand même plutôt bonne. Mm-hmm. Donc, voilà, au niveau, bien sûr, elle est très exploitable, en vrai. Mais pour toi, ça va être carré. Les gens vont essayer de te taper et tu vas juste les taper derrière, en fait. Ah oui, c'est vrai, il reste déjà que 5 minutes. Ah. C'est passé vite. Ça va vite. Ouais. Ouais. Bon, après, il y a eu les petites galères du début, mais... Oui, c'est vrai, ouais. Bah, du coup, je crois que ça va être notre dernier match, et ensuite, on va discuter un petit peu. Mais, pour finir, en gros... Toi, tu suis quand même des séries sur Netflix, t'as le temps de chiller, ou tu regardes des animés, qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Bonne question...
Ça peut être, je regarderai en ce moment après. En fait, ouais, bah, en ce moment, vu que tu dis en ce moment, c'est bah, j'étais au Mexique, donc j'ai pas le temps. Ouais. Mais c'est pas genre en mode pas le temps parce que je suis trop occupé, c'est bah, par temps, pas le temps parce qu'on sort trop avec Léo. Ouais. Bon, dommage, j'ai essayé. Des soirées, même, t'as des soirées, alcool, tout ça. Ouais. On va dire que c'est pas que j'ai pas le temps, moi j'ai trop de travail là, c'est. D'accord. Je travaille certes, donc je m'entraîne, etc. Mais vu que j'ai pas, je suis pas chez moi, je peux pas faire du contenu, etc. Bah, on sort beaucoup. Et lui, il aime beaucoup sortir. Mm-hmm. Du coup, bref. On s'amuse quand on peut. En vrai, c'est super important aussi de faire les deux. Donc, faut savoir travailler quand il faut et se reposer quand il faut. Parce que si tu arrives au tournoi, t'as travaillé toute la semaine, ça m'est déjà arrivé. En mode, j'ai fait que du stream, que du contenu toute la semaine. J'arrive le week-end, je suis crevé, j'ai même pas envie de jouer. Bah, t'es pas en mode. T'es pas prêt pour être à fond et jouer au jeu à fond. Quand tu fais une compétition, faut que tu sois content d'être là. Si t'es là en mode, j'en ai pas envie de rester chez moi et de dormir, tu seras jamais à fond. Donc, faut savoir aussi s'amuser quand il faut et travailler quand il faut. Bref. Oui, il y a le temps largement de regarder des séries Netflix, de jouer à d'autres jeux, etc. Surtout des séries, parce que bah si j'ai stream pendant déjà 4 heures, j'ai peut-être plus envie de jouer à un truc, j'ai juste envie de regarder quelque chose. Je regarde pas mal d'animés, bien sûr. Bah récemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu les scans de One Piece. D'accord. J'ai rattrapé tous les scans de One Piece. Ouais. T'as dit quoi ? Non, je disais, ok, t'es sur One Piece, nice. Ouais, bah. One Piece, c'est mon anime préféré. Ok, d'accord. Best anime de tous les temps. Et je veux entendre personne ou le chat dire le contraire. J'ai jamais regardé encore. Je sais que je dois m'y mettre, mais il y a 900. Ouais, il y a beaucoup d'épisodes, et en fait, c'est le genre d'anime où si t'as grandi avec, c'est incroyable. Incroyable. Oui, tout à fait. Grandi avec les pertes. Ça fait tellement longtemps que hop, je vais mettre comme ça. Je pense qu'on va on va arrêter Smash. Okay. Mais en tout cas ravi d'avoir pu jouer un petit peu avec toi. Ouais, c'était cool. Ouais, j'ai bien aimé. Je retiendrai ton Kirby de tout ça. Mon Kirby, non, on le retient pas, oublie-le à tout jamais. Tu n'as jamais vu mon Kirby, ok. Il est gravé dans ma tête, il va jamais sortir comme ça. Il était honteux, mais je crois vraiment que j'ai pas réussi à taper une seule fois, hein. Clairement. Il est pas honteux, il était différent, c'est pas pareil. Différent, ah c'est gentil pour lui. Il apprécie, mon Kirby apprécie beaucoup. Il était spécial. Qu'est-ce que je peux te poser ? Ton prochain tournoi ? Et bah du coup, non c'est bon, parce qu'on sait très bien que ton prochain tournoi... Le Némésis. Le Némésis. Ouais, oui, tout à fait, le fameux. Le Némésis. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, tout ça quoi. T'as tous les réseaux. Je suis partout sauf TikTok. En fait, j'en ai un TikTok, mais il est bizarre le format. C'est vraiment une méta différente. Ah, c'est dur de se mettre dessus. Ok. Ouais, c'est vraiment différent. Tu peux pas mettre les mêmes vidéos. Faut couper les vidéos pour que ce soit en format TikTok, etc. Et j'ai un peu la flemme, je t'avoue. Faudrait peut-être que je m'y mette ou que j'ai quelqu'un qui fasse ça. En mode juste, il prend des clips, il les coupe. Parce que on m'a dit que c'est un des meilleurs réseaux en ce moment. Actuellement, oui, c'est sûr. Donc, il faudrait peut-être que j'ai quelqu'un qui fasse ça. On verra. Mais dans tous les cas, pour tout le reste, c'est YouTube, Twitch, Insta, Twitter. Du coup, c'est Gluttony SSB. C'est tout le temps la même chose. Du coup, simple, rapide, efficace. Et j'ai même mon site internet, gluttonyssb.com, pour ceux qui veulent aller voir. Ah oui, c'est vrai que t'as ton site internet et tout. C'est cool. C'est cool. Ouais. Tu fais quoi dessus Alors en fait, c'est. C'est là où tu fais tes coachings ? Voir le coaching, on va dire, et les masterclass. Mm-hmm. Les masterclass, en fait, c'est des cours de 2 heures dans lesquels j'explique un des aspects stratégiques, on va dire, du jeu pendant 2 heures. D'accord. Et c'est pas... Il y en a certains. En fait, il y en a quelques-uns. Il y en a une ou deux qui sont pour les. Pas débutants, mais genre. Les débutants de compétition, genre il y a les débutants casu et les débutants de compétition, ceux qui sont en compétition, bah, ils ont déjà le vocabulaire du jeu, ils savent déjà faire un peu tout, juste ils comprennent pas le jeu en profondeur. Ça va cut dans 30 secondes, je suis désolée, donc je vais devoir te laisser. Ouais, ça cut dans 10 secondes là, donc je te fais je te souhaite bonne soirée, merci beaucoup et bon courage pour ta compète. À très bientôt. Merci. Salut. Désolé. Au revoir. Au revoir tout le monde.